Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Forge Magie. On est sur des pathos gastriques. On va faire un Exorez feu. C'est parti. Donc on a 96 depuis. On a les 40 sagesse. On va pouvoir aller chercher le GPR, c'est magnifique. Quoique je dis ça, mais la Vita peut être embêtante là. Ouais, la Vita pose un problème. Je pense que la meilleure strat, c'est de l'over. Comment j'ai compté? Oui, non, si, si, j'ai rien dit. C'était ce qu'il fallait faire. Moins 40. Et espérer que j'ai par exemple que j'ai moins 30 et pas moins 31. Tra, pas de chance. Bon, je teste, hein. Moins 6. Moins 5. Moins 20. Il y a un petit lag là, je sais pas d'où ça sort, jusque là ça allait bien. Ok, si on va spam les pas. On est congru dans les deux, mais on a plus de puits, malheureusement. On continue, on va faire du double puits, donc on continue comme ça sans remettre le PM. Bon, inutile de m'agresser dans les commentaires, je sais que c'était 86 et pas 96 depuis l'attentat d'avant, mais ça change rien de toute façon, donc tout va bien. Là on a 98 et là je suis sûr. On a 35 sagesse, c'est un peu dommage. Voilà, 38. Il va falloir faire du double over, là ça va être un peu relou. Je me demande s'il vaut mieux que j'aille à la PA ou à la RA. Et aller comme ça, je pense. Ok. Moins 13. Et on peut récupérer l'over là-dessus. Hop. Je vais peut-être lui balancer une ravie. Moins 19. Moins 9, pardon. Et là, comme ça, je récupère ça ici. Nickel. Les repousses sont pratiques hein, pour gérer les overs. Parfait. Ok, le crit. On est bien là. Hein. On est plutôt très bien. Le crit, ok. Ok. 58. Je suis à 58, je crois. C'est pas... La calculette a fait un truc bizarre, mais c'est parce que j'avais. J'avais plus touché de calculette. Ok, je suis à 58 là. Ok. Le chat crie si je me suis trompé, mais je suis à 58 normalement. Et j'ai 2 de plus. On va dire, hein, parce que j'ai récupéré 2 là du repou. Ça me fait 60, ça me fait 10 tantarès. Normalement, c'est ça. Je vérifie que tout va bien. Allez, ça part. 1, 2, 3. Je me rends compte que j'étais bien à 58, mais normalement c'est bon. C'était où? C'est là, j'ai eu moins 9. J'étais à moins 9, ouais, c'est bon, j'ai une dernière tenta. Ça vaut le coup de recompter, hein! Bien sûr! De toute façon, on n'aura pas le double puits, ça sert à quoi tout ça? Voilà! Je suis vraiment un guignol. Allez, on continue. Alors, je sais que dans l'attentat d'avant, j'ai trouvé où je me suis trompé, j'ai oublié de compter une pas innée. Voilà, donc. Bon, pour l'instant, j'ai déjà deux puits, deux erreurs, donc me dégommez pas trop en commentaire s'il vous plaît, c'est déjà dur comme ça. Mais tout va bien, tout va bien. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alors, on a 87. On a un petit souci de sagesse, hein, malheureusement. On va commencer par monter la vie. Ok, moins 9. Moins 20. Moins
Moins 30, ça picote, hein. Aïe. Moins 10. Je suis pas très serein sur ce que ça va donner, tout ça. Il me reste un depuis, hein, c'est génial. On n'a même pas le GPRF. On continue. Bon. Selon ma théorie, c'était une rune d'Okri ici. Donc, on doit avoir 96. Je pense que je me suis pas trompé. Sinon, je compte sur le chat, bien entendu, pour vérifier ça. Hein. Mais je pense que c'était ça. Si je me suis trompé, c'est la faute du chat qui suit pas. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, 96. Bon, le G est pas trop mal. Bon, il y a la sagesse à 39, on est bloqué. Mais sinon, c'est assez haut pour le reste. J'hésite à y aller à la Pacha ou à la Racha. Allez, on va faire Pacha, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'aurais peut-être du Racha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24. On va mettre Rainé. Changera. Moins 19. Ok, le crit qui tombe à un moment un peu bizarre, mais pourquoi pas. Alors je pourrais aller chercher le GPR Vita, mais comme j'ai pas le GPR Sagesse, je vais pas m'embêter. Tac, moins 1. Moins 10. -42 de puits, nickel. Ça nous fait 7 tentas. Tout est possible. Allez. 1, 2. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas hyper ouf, hein. Est-ce qu'on a le PM? Et non. 95 de puits, je pense, hein. Ouais, ça ressemble à un 0 de puits, donc on va pas se tracasser. Bon, 39 sagesse une fois de plus. Si j'avais un moins 5 Vita, ça me ferait plaisir. Ok. Allez. Ok, là ça tombe nickel. C'est le meilleur plan, c'est de monter à 50 avec des pas et d'aller à 60 avec une rat. C'est vraiment le plus simple pour ne pas défoncer son puits. Mais bon, voilà, c'est quand on peut. Hein. Ça dépend des congruences. Mais quand les congruences le permettent, c'est vraiment le meilleur bail. Voilà, là vraiment, j'ai très peu d'échecs, vous voyez, ça me met nickel, il n'y a pas besoin d'over, il n'y a pas besoin de passer de 57 à 60 avec une passe, c'est parfait. Moins 5, 48, alors là c'est vraiment l'attentat nickel, bon il y a juste la sagesse qui gâche un peu les choses. Mais là c'est magnifique, hein. Tout pile un multiple de 6. Oh, j'aurais bien aimé voir un 3% là-dessus quand même, j'avouerai que je suis un peu triste. 95 de puits. On va pouvoir aller chercher le perf. C'est une très très belle tenta. J'ai besoin de faire aucun over pour arriver sur du perf. Ça c'est génial. En revanche, il va falloir arriver à 60 avec des pas. Bon, c'est faisable, hein, mais des fois c'est un peu capricieux. Voilà, c'est typiquement ce dont je parlais, hein. Bah j'adore Dofus, hein. Que dire de plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouah, ça pique, hein. Ouah. Aïe. Ça fait moins 54 depuis, hein, si je sais encore faire 18 x 3. C'est dur, hein. Bah, belle tenta, perf qui part dans le néant, malheureusement. Ouais, le cri de sagesse ne me remonte pas vraiment le moral, hein, pour être honnête. C'est la déchéance complète. Ah voilà, on a même pas le perf, c'est un plaisir. 95 depuis, on a le perf sagesse,
On a un petit problème de vita. Il faut over. Il n'y a pas le choix. Moins 30. Ah, 26, dommage. Ouais, bah là, on pourra pas trop avoir mieux, malheureusement. Ok, la chance, ça devrait bien se passer, je pense. Là, j'ai moins 2. Moins 3. Moins 10. 40 restants. Je viens de voir qu'on avait un petit problème de tacle. Hein. On va faire comme si tout allait bien. On va fermer les yeux. Et on va full crit le tacle. Voilà le plan. Ah là, j'avoue que ça va être chaud, chaud, chaud. Alors, j'avais annoncé le full crit, mais ça ne suffira pas, malheureusement. C'est la tristesse officielle. Ah, si j'ai un crit, on a un jeu sympa, mais... Bon, on n'en fait rien derrière, hein, malheureusement. Tant pis, on continue. 92 de puits. La vita, pas ouf. On va avoir un petit souci pour l'optimiser, là. Moins 18. Moins 40. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, bah... C'était propre, hein, à part ça, mais là, on a perdu tellement sur les ravis que... Ça va être chaud. Le pire, c'est que tout le reste passe bien, hein, mais là, du coup, on est un peu dans la sauce. Hein. Allez, il nous faut... si on a un crit là-dessus, on gagne une tenta. Voilà, on a 3 tentas. J'aurais pu chercher le père Vita, j'ai pas été vigilant. J'oublie des fois, mais bon, de toute façon, on n'avait pas de puits, mais... ça aurait été pertinent que j'aille le chercher. On peut avoir 3%, hein, techniquement. Tout est possible, hein. Allez, si ça passe là-dessus, on tentera le crit à la res distance, par exemple. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 85 de puits. J'étais arrivé à un G-perf. Enfin, presque perf. Du coup, j'ai remis le PM parce que j'avais plus rien à remonter. Et là, il vient de retomber, donc 85. La vita, pas terrible. On va y aller à l'ara direct. Hop. Moins 20. Qu'on récupère ici. Je suis débile, je pouvais mettre une rune pod. En fait, quand je pars pas dans l'optique explicite de remonter, enfin de mettre la pavie, je pense pas à rune pod, mais là je pouvais. Hein. Bon, il faut que je prenne ce réflexe, c'est une habitude que j'ai pas trop. Je pouvais aller chercher le perf vita. Bon, de toute façon, j'ai pas le perf sagesse, hein, et on a un problème de dommage haut, mais c'est un réflexe qu'il faut que je prenne. En 25. Moins 10, 21, on a 3 de puits en rab, allez, on tente une crit ici. 3 tentas. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 95 de puits, le PA vient de tomber. Alors, on a un jet un peu bizarre, on va commencer par un over vita. Moins 30. Qu'on va enlever avec un dos. Moins 25. Pareil, là, en fait, je me fais la réflexion, je suis débile avec la Vita. Je pourrais faire une rune pod et de repou, par exemple. Alors après, il y a toujours le risque d'avoir du moins 6, mais j'aurais quand même pu test. Il faut que je me mette dans la tête d'avoir ce réflexe d'aller tryhard à chaque fois les G-perf. Je l'ai pas assez, et très souvent, en fait, je n'utilise pas des rune pod là où je pourrais. Là, j'aurais pu faire rune pod et deux runes qui pèsent 1, et j'avais le moins... 23, en tout cas j'aurais pu l'avoir, après c'est pas obligé mais j'aurais pu. Bon, c'est pas grave, c'est des choses à se mettre dans la tête pour la suite des FM. Ce sera important. Hop, moins 20. Ok. Moins 3. Moins 12.
Moins 21. Et on a une tantale, les amis. Je suis ravi. Désolé si j'ai tapé dans le micro. C'est absolument magnifique. En plus, j'ai mis une rester, c'est de la RSE qu'on veut. Bref, tout se passe bien. Il n'y a vraiment rien à redire. Là, c'est le stream nickel, quoi. 97 depuis. On a une tenta qui est pas trop mal. Bon, la Vita, on va pas pouvoir aller chercher le perf. Va falloir over, moins 20. J'aimerais bien un moins 6. Ah, les moins 6 qui tombent jamais quand on veut, c'est quand même dingue, ça. Hein. Tant pis. Aïe. Moins 22. Moins 24. Moins 6. Moins 8. J'ai que des tentats ou j'ai jamais de puits restants à la fin, quoi. C'est un peu relou. Là, de toute façon, moi, je pourrais tenter de gagner une tenta, mais même ça, enfin, de toute façon, voilà, j'avais un drab. Et même là-dessus, on fait rien, quoi. À part tenter un crit derrière de quelque chose, c'est compliqué, hein. Allez, on reste motivé. 99 depuis. Alors, je pourrais aller chercher du gros jet en Vita, mais je vais pas le faire parce qu'on n'a pas le perf sagesse de toute façon. Il va falloir monter à 60 sur les stats. Allez, c'est parti. J'ai failli en mettre une de trop, mais tout va bien. Ok, ça aurait pu être pire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 54, 39, 33, 23, bon, encore une fois, je suis un peu dépité parce que, en fait, en faisant du double puits, j'attends au moins du 3 voire du 4% et on a que des tentas où il n'y a que dalle en fait, c'est assez bizarre. Il y a une époque, j'avais fait des pathogastriques, j'avais tout le temps des tentats 3-4%, et là, je comprends pas pourquoi on en a absolument jamais. J'ai même pas envie d'aller gratter la tenta de plus, quoi. Ouais, je dis ça, et forcément, j'ai le 3% qui sort. C'est ce qu'on appelle le karma, hein. S'il y en a qui ne savent pas ce qu'est le karma, voilà, vous avez l'illustration. Alors, toute la question, c'est est-ce que j'ai un de plus? Voilà, ça m'apprendra à ne pas tenter le crit à la rune chance, là. Ou la rune, je sais pas, à force. Bon, tout dépend de... Qu'est-ce qui a fait tomber la rune tacle? Bon, là, je pense que j'étais à 0. Là, j'ai eu plus 1. Ah non, si j'étais. Ça devait être une retrait PA. Ou un truc dans le style. Non, ça pouvait pas être une retrait PA parce que j'en ai parmi depuis et je suis à 5. Je pense pas en avoir de rab. Mais écoutez, ça m'apprendra à partir du principe que ça passera jamais, parce que là j'aurais peut-être pu avoir une tenta à 4%. Mais là je pense que vraiment j'avais exactement 23 depuis et je pense pas avoir de rab. C'est un petit peu la tristesse. Ah là j'ai, c'est sûr. C'est évident, là j'ai 0. Je pense en tout cas. Bon bah écoutez, ça s'appelle le karma, hein. On remarquera, je me suis fait un café et tout de suite on a une tenta à 3%, hein, ça change tout. Bon, est-ce qu'on a le PA? Voilà, c'est réglé. 96 depuis. Alors, toute la fin de l'item est maxé, ça c'est cool. Bon, sagesse, on pourra pas retoucher. Le plus dur va être de gérer la chance, je pense. Voilà, on a fait le plus dur. Tout va bien. Alors, on a peut-être une belle tentative qui va arriver là. Ok. Moins 3. Bon, je pourrais aller chercher le 399, mais encore une fois, quand j'ai pas le full perf, je tryhard pas à ce point. Je suis un peu tout ou rien dans ma tête, moi. C'est soit on va chercher le perf, soit on n'a pas le perf, on n'a pas le perf, quoi, mais...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De puits. Ah, j'aurais aimé qu'elle passe la petite rune là. Je doute vraiment d'avoir du puits résiduel. Là j'avais plus 1. Là j'ai moins 2. Là j'ai certainement plus 2. Là moins 2 d'un tel. Un dommage feu moins reliquat. Ça ressemble à du 0 de puits ça. Il faut qu'on crit. Il faut qu'on crit. Non. Bon bah écoutez, c'est terminé. Je peux même plus tenter. Enfin j'ai quoi, j'ai techniquement j'ai moins 2. 44, ouais non je peux même pas tenter un crit à la rune sagesse, il faut que j'y aille comme ça. On a 7 tentatives. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 97 de puits. 38 de sagesse. Moins 50 de puits pour la chance. C'est vraiment ce que j'adore. Hein. Je me régale. Le crit quand je veux faire tomber l'over, c'est tout va bien. On est vraiment au top. Bon bah exceptionnellement, je vais remettre une... J'allais dire comme ça, je vais chercher le perf avec l'over, mais non, même ça j'ai pas le droit. Donc là j'ai un espèce de vieil over qui trade, je suis hyper content. Qu'est-ce qu'on fait là? On va chercher la pas faux, hein. Ok, bon, j'ai du crit, ça aurait pu être pire. On a le perf Vita du coup, même si je cherchais pas spécialement à aller le chercher. De puits, normalement j'ai 6 tentas. Il me semble que j'ai 6, hein, normalement là. En fait là j'ai plus 4,5, mais là j'avais un 0,5 en plus. Donc normalement j'ai 36. On va voir si je me suis pas trompé. J'étais bon. 2%, décidément, c'est compliqué d'aller choper les gros jets, hein. C'est pas... C'est pas évident. PA. Bon, alors là, c'est apocalypse, hein. Bon, techniquement, on pourrait essayer d'en faire quelque chose, mais là, j'avouerai que... Ouais, bah super, hein. Super les amis, ça va être compliqué. Si les runes ne passent pas, c'est compliqué pour faire des beaux jets, évidemment. 96 de reliquat sur cette magnifique tenta. Hop. Allez. J'aime pas quand je perds 40 de puits sur la ravie, c'est chiant. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Le moins 5, ok. Moins 2. Moins 3. Allez, on va y aller sur la rat. Tra, ça pique. Hein. Moins. Ah! J'ai tout effacé. On va recommencer. J'avais 96. J'ai fait moins 5. J'ai fait moins 40. J'ai fait moins 2, moins 3, moins 20, 26. Là, je vous avouerai qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus, hein. Alors, si j'ai 26 là, ça fait qu'avec ça, j'ai 28. En vrai, si j'ai un crit, je gagne une tenta en fait. Ça se tentait. Bah écoutez, 4 tentas. C'est des restes feu. Faut pas que je mette des restes air. Je crois que je mets des restes air. Peut-être que j'ai fait une tenta en restes air sans faire gaffe. C'est des restes feu que je veux. Hein. 2%, on va pas loin avec ça.
Après, si on a 2%, qu'on passe PAPM et qu'on a un crit sur une rune de reste distance, ça nous fait un beau G, hein, mais ça repasse absolument jamais. Je sais pas ce qui se passe avec la FM. Je suis quasi sûr qu'ils ont changé quelque chose. Bref. 97 de puits. Alors évidemment, on a le 1 de vita qui nous met au fond. Ça, c'est vraiment la base, hein. Et on a le crit, voilà. Il suffit de se plaindre un peu, ça marche bien, hein. Quand il y a quelque chose qui va pas, vous vous plaignez, normalement ça règle le problème. Les Français maîtrisent très très bien cette méthode. Ok, j'ai moins 5. Bon, ça va nous faire un truc sympa quand même. J'aurais pu tryhard le... J'aurais pu essayer d'aller chercher le plus de vita, mais j'avais pas la certitude que j'allais tomber pile, hein. Là j'ai eu le moins 5, j'aurais pu avoir moins 6. Bon, on va se contenter de ça. Disons qu'on aurait pu chercher plus haut, mais on n'avait pas la certitude de tomber sur le perf. Moins 5. Ah! Enfin! Une vraie tenta. J'ai l'impression que j'en ai pas eu une seule depuis que j'ai FM l'item. Là, on a quelque chose de très solide, hein. On est carrément sur du 13 tenta, hein, pour être très honnête. Donc, bah écoutez, il peut se passer quelque chose de bien là, hein. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises, que j'ai rien oublié, tout est bon. Allez. Je veux voir un 4%. Ça fait depuis tout à l'heure que j'ai FM pour avoir que des trucs random. Je veux un 4%. Bon, je voulais un 4%, j'ai eu un 3%, c'est déjà pas mal. Si on a ça, ça me va. Hein. Évidemment, hein, c'est... 97 de puits, on a les 40 sagesse, on a un petit souci de vita, on pourra pas avoir un truc magnifique. Moins 20. Je vais l'enlever au repou. Ok. J'ai peur pour la chance. Il va falloir y passer. Ok, pouah, ça aurait pu être tellement pire. Ça passe. Allez, au repos encore, hein. On va pas se tracasser. Ok, l'intel qui passe, ça c'est génial, ça va nous faire une belle tenta là. Petit crit repou, on gratte du puits comme on peut. Ok, bah y a plus que ça. Moins 2. Tra, 58. J'avais a priori pas de puits résiduel. Il va nous falloir du crit. Non. 56, ça sert à rien de forcer. 9. C'est déjà pas mal. Deux pour cent. On a le PA. On n'a pas le PM. 84 de puits, j'ai peut-être 2 de plus sur cette ligne, si c'est une pacha qui a fait tomber, faudra vérifier, on verra s'il y a quelque chose qui se joue à 2 de puits à la fin. En attendant, nous on va faire notre petit truc, bon, je pourrais aller chercher le perf vita, mais encore une fois, on n'aura pas le perf sagesse, donc je le tryhard pas. On a le double 60, ça m'est plutôt bien. Moins, j'ai mis moins 40, mais c'est moins 50, hein. Oh la vache, ça picote. Moins 18. Moins 12. Voilà, 4 de puits restants. Pour ceux qui me demandent pourquoi je fais du double puits, bah voilà, là j'ai même pas pu tenter 1% reste, j'ai déjà plus de puits en fait. C'est d'où l'intérêt du double puits quoi. Parce que les runes passent mieux et on peut aller chercher des plus gros jets avec une variance plus forte. Allez, on enchaîne. Oh, je dis ça, mais attends, ouais. Si on a un crit là-dessus. Ouais, non. C'est. C'est mort. Je pense avoir 97 de puits si c'est une pacha qui a fait tomber ça, mais c'est très probable. Donc, attendez. J'ai mis 2 pour là. Là, j'ai plus 2. Là, normalement, j'ai plus 3 moins 3. Ouais. Plus 1, plus 1, oui c'est bon. Donc je pense avoir 97. On verra, je garde une petite réserve là-dessus, mais je pense que c'est une pacha. Hein. J'ai le 39 sagesse, c'est triste. J'ai la chance à 51, bon bah on va forcer.
On va... Ouais. Ça va. Moins 12. Moins 10. Ça se présente plutôt bien pour l'instant. Dommage pour la Vita, hein, malheureusement. Ah, en plus, moins 6, c'est triste. Tac, le kick crit. Moins 6. Ok, on a quelque chose de solide là. 69. On a 3 de puits restants. On peut tenter soit le crit pas faux, par exemple. Soit tenter le crit de sagesse pour avoir du 40 sagesse. On va faire le pas faux parce que de toute façon, même avec le 40 sagesse, on n'arrivera pas sur du GPR. Ce sera pas beau. Ou alors. Ou alors, je peux, comme j'ai un mini doute là-dessus, je peux jouer la sécurité. Je vais faire ça, je pense. Je vais jouer la sécurité. Je vais juste faire, disons, deux tentats là-dessus. Voilà. Et mettre 11 au lieu d'aller chercher le crit. 11 runes de raise, ce sera bien. Voilà, je joue la sécurité parce que j'ai un mini doute et j'ai la flemme, encore une fois, de remonter dans mon historique de stream et tout. Allez. On peut avoir quelque chose de sympa qui sort. Alors pour ça, il faut bien sûr que les runes passent, hein. Si les runes passent pas, c'est compliqué. Voilà, c'est un plaisir. 1% sur 11 tentas, c'est vraiment chouette. Et tout va bien, c'est nickel. 96 de puits. Je vais essayer de chercher le Perf Vita. Là, je pense qu'il faut une ravie, hein. Ou alors des pavis. On va vraiment partir dans l'optique de Charlie. Ah oui, pardon, c'est pas 96 en plus, c'est 86. C'était un PM, autant pour moi. Donc, selon Charlie qu'on a eu en appel hier, on peut passer à 350 avec des pavis. Ah, cela dit, c'est peut-être quand même mieux ravi, j'en doute un peu quand même là. Ouais, moins 30. Est-ce qu'on aurait eu moins que 30 de perdu? Je ne sais pas, c'est discutable. Voilà, du coup, clairement, rune tacle. Oh, j'aurais même pu. J'aurais dû mettre une rune d'eau, en fait, my bad. Hop. Ok, on a le perf. Il va nous falloir l'over à l'arrachage, je pense. Moins 10. Ok. L'intel. Ok. Donc là, si j'ai compris. Il met d'abord les plus grosses. Donc pas ça. Moins 18. Votre EPA. Moins 7. Moins 5. On me dit que j'ai mal compté le puits. Bah, là j'ai 1, j'ai 2, et là j'ai 84, j'ai 86. Pourquoi j'ai pas 86? Là j'ai plus 1, là j'ai plus 1, donc j'ai 2, plus 90, 92, moins 6, 86, non? Là j'ai... ça ressemble à du 0 ça, qu'on soit d'accord. C'est... dans le chat on me dit que j'ai pas 86. Bon, donc là, hop, moins 10. Bah, il me reste 5 de puits, hein, je suis ravi, hein, je ne sais pas quoi dire d'autre. Parce qu'on a le PM. Ah! Attendez, j'ai un doute sur le... J'ai eu quoi? J'ai eu 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai bien compté tout? Est-ce que je l'ai compté la dernière? Là, le moins 7 est là. Moins 7, là j'ai moins 5. J'ai un moins 20 là et je vois qu'un moins 15 à la fin. Je pense que j'étais à 0 en fait. Je vais recompter. Là j'étais à 86. Moins 30. Oui, moins 30 là. Moins 10. Là il n'y a rien. Là il y a moins 1. Moins 18.
moins 7, moins 1, 2, 3, 4, fin. J'avais effectivement 0 de puits. Je me disais bien qu'il y avait, j'avais, parce que j'ai lu le chat pendant que je comptais les dos et j'ai dû me... vous aimez bien les... quand je dis je suis ravi, hein, c'est, ça c'est vraiment la blagounette des forges mages, hein, qu'est-ce qu'on rigole. Hein. Donc là j'ai 10 du PA, plus 60, j'ai 70 de puits. Mais en vrai on a une tenta insane là, non? Si je crit à la pado... si je crit à la pado c'est quand même... 70... oui c'est ça, 70. Allez il me faut du crit à la pado là. Il suffisait de demander, bien entendu, et c'est vénère ce qu'on a là. Moins 15. Je sentais qu'il y allait avoir du crit à la pado, je le savais en fait. C'est tout simplement comme ça que ça se passe ici. Je commande aux runes de passer ou pas. Bon là j'ai 9 tenta, hein, littéralement. Je call le perf 4% les amis. C'est juste parti en fait. Allez, 1, 2. J'ai call le 4, on aura le 4, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein. C'est de fuse, ça marche comme ça en fait. Hein. Allez, 3%. Non mais j'ai dit 4 et quand même je sais que le karma me met toujours un peu moins, comme ça j'ai le 3. 3% perf ça passe, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 depuis, on n'aura pas le perf sagesse mais on peut aller chercher le perf vita à la pod. Toujours réfléchir aux congruences, moins 20. Ok, donc là j'ai... Ouais, ok. Ensuite... J'aurais tendance à dire que là il faut que je fasse. J'hésite entre Racha et Rainé. Selon la méthode de Charlie, ce serait plutôt Rainé. Là j'ai eu plus 1. J'ai plus 1 et j'ai moins 7. Parce que là j'ai plus 0,5. Là j'ai plus 0,5. Et là j'ai moins 7,5. C'est ça, hein. J'ai plus 1. Et donc moins 8. 67. Ok. On va voir si je me suis pas planté. Des fois, c'est un peu quand on est fatigué de calculer avec les runes potes qui font plus moins, on finit par s'embrouiller. Je pense que c'est ça. Donc là, hop. Ok, moins 10. Alors là, je vais être un tout petit peu embêté pour récupérer mon over. Je vais y aller à la pas faux. Je peux y aller sur la chance, mais après ça m'embête de faire l'over ici, quoi. Ok, ça passe. C'est correct. Ok. Alors, bah j'ai quasi un GPR en fait là. Du coup, rune sagesse, moins 18, repère, moins 6, et j'ai 27. Il me faudrait un petit crit. Non, je vais faire plutôt une tenta sagesse. Tiens, c'est intéressant parce que là, on va voir si je me suis trompé sur les pods ou pas. Des fois, plutôt que de s'embêter à compter et à réfléchir, on fait, puis on voit si ça passe pas. Donc là, normalement, j'ai 24, donc j'ai 4 tentas. D'ailleurs, je sais que j'ai fait précédemment 3 tentas alors que j'en avais 4. Voilà, c'est la fatigue, je parle avec le chat et tout, désolé. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Ouais, à telle minute, t'avais encore une tenta. » Oui, je sais, je sais. Donc, 1, 2, 3... 4. Ok, 2%, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 de puits sur une tenta qui est magnifique parce qu'on va tomber sur le full perf. Donc on a la sagesse qui tombe à 40, on a la vita qui tombe à 350 piles. Avec 2 pavis. Et 2 rune pod. C'est si beau. Donc là, encore une fois, j'ai plus 1. Avec les deux fois plus 0,5. L'Aracha. Qui crit. La passa. Qui passe. Donc là, j'ai... moins 7. Bah, il n'y a plus que 2 crits. Elle est absolument sublime, hein, cette tenta. Moins 10, 52. Ah, j'aurais aimé avoir 2 de puits en plus. C'est si beau ce qu'on fait, les amis. C'est absolument sublime. Je regarde si j'avais pas du puits avant, peut-être. J'ai pas spécialement fait gaffe.
Je crois pas. Je suis parti de 97. C'était où? C'était là. Putain, je suis remonté au bout du monde, c'était sous mon nez, super. Donc, là j'ai moins 1. Là j'ai plus 1. Là j'ai plus 1. Ok, donc j'ai déjà 1. Et là, à mon avis, on a 0. Donc j'ai juste. En fait, j'ai plus 1. À mon avis, j'ai juste 1 à choper. Si je fais un crit, c'est bon. Ok, j'ai mon crit. Ok, waouh. Cool. Donc normalement, j'ai gagné une tenta. Et il faut vraiment que je me sois planté à aucun moment. Parce que là, ça se joue à vraiment 1 depuis. Je suis content, j'ai réussi à choper ma tenta. Donc on va tenter 9. Mais bon, il faut que je garde un petit doute. Parce que voilà, je suis fatigué. Ça fait des heures et des heures que je FM. Il est tard. C'est possible que je me sois planté, mais aimons le risque, hein, les amis, littéralement, n'ayons pas peur. C'était bon, ah, j'ai fait un perfect. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, ça repasse jamais, jamais, jamais. C'est incroyable. 93 depuis, bon, un peu déçu pour la sagesse, hein, je sais que ça ira pas très loin malheureusement, cette tenta. On va tenter... d'avoir le moins 6 sur la Vita. Dommage. Et donc là, normalement, selon la méthode de Charlie, on peut passer encore des pavis jusqu'à... enfin, on a encore de la marge, et là, je peux mettre par exemple 2 pavis et descendre de 350. Donc on va voir si ça marche effectivement. Moins 12. Le crit, évidemment. Je vais même compter des plus 0,5 parce que j'ai la flemme de compter trop. Donc là, j'ai moins 0,5. Moins 6. Bah franchement, ça donne plutôt raison à Charlie, hein, ce qui se passe là, je trouve. Hein. GG à lui, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah merde, je me fais troll. Ah, incroyable. Bah franchement, Charlie, il nous a carry, hein. Là, je veux pas, voilà, je veux pas déchaîner les foules, mais. Là, je crois que Charlie nous a donné le 350 de Vita, là. Hein. Parce que moi, si j'avais pas eu la discussion avec lui hier, ça, je l'aurais pas fait. Hein. Et là, je me rends compte que ça m'a même pas coûté si cher que ça en puits. Hein. Donc là, pour le coup, il me met un chaos technique. Hein. Vraiment, hein, je suis 100% humble et honnête. Hein, et là, il m'a rect. Hein. Là, je me suis fait rect par Charlie, là, c'est très simple. Hein. Mais bah GG à lui, hein, il a gagné, j'ai rien su faire, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bah on enchaîne, hein. Bah c'est parti en fait, hein, c'est juste parti. Hein. Donc là, moins 7,5. Alors là par contre j'ai un peu fait de la daube à balancer. Il m'a tellement dit je mets des rats chats partout que je me suis dit, enfin je mets des rats quoi. En fait il y a la passe, je tombais pile, c'est peut-être un peu débile là, ce que je viens de faire. Là c'est Charlie hein, pour le coup, bah, il nous fait un cadeau, il nous donne avec une main, il reprend avec l'autre. Hein, bah. J'ai rien su faire, hein, il était trop fort. Hein. Là je pense que c'est Pacha quand même. Est-ce qu'il mettrait Pacha ou Racha lui selon sa technique? J'ai un doute là. Sur un 58 chance là j'ai un doute. Lui je crois qu'il m'avait dit, quand même à 59 tu montes à 69 et tu redescends à 60. Hein. Franchement, là selon Charlie c'est ça. Hein. Moi je dis on va lui faire confiance. Hein. Bah merci. Mais Charlie, mais t'es notre dieu. Hein. Tu es le boss, hein, Charlie. C'est pas possible, on te mérite pas. Hein. Il va me falloir de la fuite. Hein. En revanche, moi, ça valide ma théorie que quand on est en double puits, on fluctue autour presque du GPerf. Et là, j'étais presque sur un GPerf. J'ai même pas de rune pour baisser mon over, quoi. Donc en fait on a tous les deux raison mais pas sur les mêmes points. Ok. 29, ah, si je pouvais avoir un en rap ce serait cool. J'ai regardé avant, je n'avais pas, je vais tenter le crit.
Pourquoi je les mets deux fois? Je suis vraiment un teubé. Hein. Donc moins 2. Bon, de toute façon, 27, c'est pas grave. La rune sagesse qui crit pas, ça me fait 4 tentas. Ah. Bon bah j'ai dû choke quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là c'est même pas. J'ai même pas genre une tenta mauvaise. C'est genre je suis à deux tentas ratées quoi. C'est spécial, c'est bien un PA que j'ai eu à la base, qu'est-ce que j'ai fait? 3 là j'avais moins 12. Je crois que j'ai peut-être oublié de compter une série de pavis ou un truc comme ça. J'étais tellement fasciné par le GPR Vita à mon avis que j'ai dû oublier de compter un truc. Il y a forcément quelque chose qui s'est. Ah Charlie, tu nous déçois, je sais pas quoi dire, tu. On commençait à. Voilà, à t'aimer, à te faire confiance. Tu nous avais tous conquis, quoi. Là, tu nous punis, c'est compliqué, quoi. Bon, allez, on enchaîne. Alors, bon, Charlie, il va falloir qu'on reparle, hein. Parce que. Si tu veux, j'étais à 32 sagesse. Enfin, j'étais à 30 sagesse, pas 32 sagesse. 32 sagesse, quoi. J'étais à 30. J'avais le doigt sur la Rasa, parce que moi, quand je suis à 30, je mets une Rasa pour aller au perf, quoi. Et je me suis rappelé quand tu m'as dit, tu mets de la Passa, tu montes à 33, 36, et après, ça retombe. J'ai mis 33. Enfin, j'ai mis la Passa, et le PA tombe. Donc là, je suis à 36. Et je suis dans la sauce, en fait. Je suis juste fini. Voilà, c'est. Moi j'aurais été à 40 avec ma méthode, mais ok, admettons. Admettons. Bah du coup je vais pas tryhard le perf sur cette tenta, je pourrais aller chercher. Ah mais si je peux aller tryhard le perf Vita pour me faire une idée de comment ça se comporte par contre, ça c'est intéressant. Je peux aller chercher ça. Moins 9. J'ai 12 de trop. On va tester un truc. Si je fais ça, j'ai moins 10. Je peux tester les moins 6 à la INI. Si j'ai 2 moins 6, je suis trop bien. Allez, encore un. Pourquoi j'ai des crits quand j'en veux pas? C'est incroyable ça. Là, je suis au fond. Moins 5. Pourquoi j'ai un moins 6 maintenant? Mais non, mais j'en voulais pas maintenant. Les moins 5, moins 6, ils respectent zéro, hein, vraiment, mais c'est un manque de respect total. Hein. Bon, là, je suis un peu deg. Alors, comment je passe au perf là-dessus? Pavi. Déjà, il faut que je compte mon puits. Non, il est compté, je crois, hein, c'est bon. La fameuse pavi de Charlie à 345. 2, hein. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moi j'avais call, tu défonces au moins 40 depuis. On vient de passer 14, on est à 42 depuis. Voilà. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Je crois qu'on va screen, on va envoyer ça à Charlie pour son fameux je mets des pavés à 345 sur 350. Je crois que là, je remarque un point, c'est bien parce que un coup il a raison, un coup j'ai raison. Là, je crois que je lui ai mis un KO technique. Hein. C'est le coup de la pavée à 345, alors que l'item est pas maxé au solo reste en plus. Hein. Le power rate est bas. Là, je crois que c'est une victoire pour la team pas de pavie à 345. Bon, bah on continue. 93 depuis. Alors, on a le perf sagesse, on peut choper le perf vita, le plan c'est de faire moins 6, moins 13, ok. Il me faut le moins 6. Mais c'est jamais quand on veut, hein. C'est vraiment jamais quand on veut par contre. Bon bah il me faut le. Là je vais avoir moins 15 ou moins 16. Ah oui, alors ça c'est encore plus chelou. C'est carrément encore plus chelou. Bah écoutez, je crois que c'est pas si mal. Hein. De toute façon, on va devoir s'en contenter. Hein. Donc j'ai eu le moins 10. Là, j'ai pas trop perdu. Bon, on a eu l'initiative qui a fait un truc bizarre.
Bref, j'ai moins 9. C'était une aventure, hein, les amis. Là, c'était particulier ce qui vient de se passer. J'ai quand même le talent d'avoir des GPF perf quasiment à chaque fois qu'on le paie à tombe. Hein. Quand je disais que mon état d'équilibre de fluctuation était proche du GPF perf, je ne rigolais pas. D'où l'intérêt de ne pas faire des sauts. Bon, on refait pas le débat, en fait, on refait pas le débat. C'est parti. Allez, l'appât qui passe. Le retrait PA. Qui crit, évidemment. Ça, c'est le cosmos qui me donne l'attentat. On me demande moins 9.1, mais non, mais j'avais le petit rab là. Si tu veux, en faisant ça et ça, j'ai le moins 9 qui est safe. Il me faut un depuis. Est-ce que je l'avais avant? Je ne trouve plus mon PA dans mon historique. C'est la fatigue, ok. Je suis en live depuis une éternité. Hein, je suis fatigué là. Ne m'en voulez pas trop ceux qui verront la vidéo sur YouTube. Ah non, il est là, putain, je regardais déjà pas au bon endroit, bah c'est génial. Là j'ai plus 1, là j'ai moins reliquat, ça sent pas bon. Hein. Après, 1% res. Là on a 1% res R, là on a 1% res R, donc on peut partir du principe que tout là et là c'est 1% res R. Mais là j'ai un moins reliquat, c'est pas bon ça. Je pense qu'il me faut un crit, sinon je peux pas le passer. Je doute vraiment d'avoir du rabbin. Après, je peux y aller, j'en balance 12 et j'espère que ça passe. Hein. Mais là, ça me paraît compliqué ce qui se passe là. Là, j'ai 3. Ouais, j'ai plus 4 là. Là, j'ai moins 6, donc là, je devais retomber là. Ça m'étonnerait que j'ai eu autant de puits d'avant, quoi. Allez, rachat. Enfin, pas rachat, juste. Ah non, mais c'est chat, mais c'est pas chat qu'il faut. Crit sur une rune chat, on me dit dans le chat. Mais non, j'ai de la chance, il me faut de l'ini. Il me faut juste un cri, de toute façon, c'est tout ce que je veux. Oui. Bon, allez, c'est mort. Bon, allez, on va dire 11, hein, mais peut-être que j'aurais pu tenter 12, hein. Je veux au moins avoir un 3% quand même. Voilà, allez, le 4. Le 4 est mérité, hein. Tra, c'est ça veut pas, hein. Ça veut pas, les amis, c'est officiel. Est-ce qu'on a le PA? Mais ça ne passe jamais. Mais jamais. Et en plus, j'ai pas le PM, hein. C'est pas comme si le PM était là, je repasse le PA. Non, non. Il n'y a ni le PA ni le PM, et rien que le PA ne repasse jamais. C'est absolument fou. 94 depuis. Il va nous falloir le double moins 6. On n'a pas été assez fort. C'est perdu. Alors là, selon la technique de Charlie, je peux aller chercher le perf. Ah! C'est la fissure, les amis, c'est officiellement terminé. C'est voilà, que dire. Moi, je vais aller me faire mon café, hein, voilà. J'envoie le screen à Charlie, bien sûr. Hein. Ça passe encore bien. 93 depuis. On va mettre ravi. Pas inné. Ok, on a le moins 15. Ah, Charlie, j'ai une question. Là, tu mets pas inné ou rainé? Enfin, là, je crois que toi, tu mets rachat. Mais après, tu mets pas inné ou rainé? Qu'est-ce qui se passe là? 93. Moins 10. Moins 10.
Charlie, dis-moi, tu mets pas ou rat? Painé ou rainé? Rat, tu mets, toi? Du coup, après, là, tu mets ça. Si le reste avait été perfect, pas. Mais là, comme tu... Oui, ça, je suis d'accord. L'over, tu le fais si tu peux le récupérer. Tout à fait d'accord. Ok, bon. Et là, tu montes quoi, là? Là, pour les trois dernières, tu les fais dans quel ordre? Dis-moi. Retrait first. Les deux. Les deux tacs, hein, tu veux dire pas patac, hein, on est d'accord. Les deux tacs. Easy. Et les deux cris, je me doute bien. Ok. 51. Ok, j'ai 3 de plus en rap, j'ai une tente à ça. Et j'ai 8 en tas. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Le PA repasse jamais, c'est une blague. 95 depuis. Alors là, Charlie, tu fais quoi? Là, tu fais rare, on est d'accord. Dis-moi, Charlie. Charlie, tu mets ravi. Non, tu mets quoi? Tu mets pas vie là? Et ini? Ah, mais on est à 340, hein? Non, mais là, je fais pas ça, mec. Je mets pas la pavie maintenant, hein. J'ai déjà défoncé deux tentats pour montrer que ça marchait pas. Là, celle-là, elle est belle en plus, je peux avoir le perf. Ah, tu fais ça, mais là, je suis désolé. Non, moi, je... J'ai vu que ça me faisait tellement mal, il vaut mieux... Pour moi, il vaut mieux ravi. Ok, bon, ça me prend 30. Peut-être que 10 pavis, ça aurait été mieux, mais... Là, du coup, j'ai 8 de rab. Je peux faire... Une do. Et ça. Moins 12. Ok. Bah oui, hein, ça c'est la sagesse, hein, ça c'est... Tu vois quand tu mets pas ton 40 de sagesse de base, ce qui se passe? Toi qui aimais pas mon 40 de sagesse. Ça nous a mis au fond là, hein. Ouais. C'est la tristesse. De toute façon, le PA ne passe pas à la fin, donc au final, tout ça n'a pas de sens. Hein. Y a pas de souci. Oh, j'ai même plus de runes. Bon, on va faire l'attentat du mec chaud. On va faire l'attentat du mec fou. On va même pas tenter. On va même pas compter parce qu'on n'a pas le temps. Hein. C'est terminé. C'est la tristesse. Allez, on va faire les fous. On va garder juste le tacle pour la fin. Il me fallait le crit parce que j'avais pas envie d'aller racheter des runes, hein. Vraiment, là je vais être très franc. On va full crit le patac. Ah, ça ne s'est pas passé comme prévu. 91 depuis, je pense, hein. Là, plus 1, moins 1. Alors, moins 1, plus 1, ok. Et là... Ah, mais j'ai plus 3. C'est le feu, ça. Ok, 94, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. 94 depuis... Voilà, on est un peu dans la sauce. J'ai envie de tryhard les gros
J'ai envie de mettre plein de Tantarès en fait. Là, je suis dans le mood. J'ai envie de voir un 4% qui sort en fait. Hein, on va se le dire clairement. Donc, bah, c'est coup parti pour l'arrachat. Hein. Ok, moins 20. C'est une tristesse officielle. Ah là, c'est la boulette, hein, comme on dit. Ça va être du 0 Santa, hein, tout simplement. C'est dommage, hein, bah, j'ai essayé, bah, bravo à tous, hein, c'est fini. 2%, enfin 2 Tantas, pardon, pas 2%. Est-ce qu'on a le PA? Oh, on a le PA! Oh, bah c'est la première fois depuis une éternité que j'ai le PA, ça fait bizarre, tiens. J'avais plus l'habitude. 92 de puits, on a le 40 sagesse. Charlie nous suggère double ravi. Et ensuite, painé. Moins 20. Attends, je fais quoi là? Dis-moi. Dis-moi, Charlie. Là, on a 43 en trop. Là, tu mets pas inné, là. On a 28 en trop. Encore. Moi, j'obéis, hein. C'est pas dégueu, ça. Hein. Et là, le pod. C'est très honnête, hein. Ça ressemble beaucoup à du Perf Vita, ça, hein. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hein. Et là, rachat. Non, mais après, là, rachat, on est d'accord. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Hein. Donc là, j'ai plus 0,5. Moins 7,5. 65. Ah, j'ai vu un Nini x2. C'est la fin, Charlie. Tout le monde l'a vu, c'est du direct. Hein. C'est terminé pour toi. C'est dommage. Bah écoute, t'as voulu jouer. Et tu vois là, c'est le moment où je me dis, bon, qu'est-ce que je monte maintenant? Et mon item, il est perf sur tout le reste, parce que c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça. Je suis suisse. Ah, je suis suisse, c'est drôle ça. Non, mais c'est pas mal là. Hein. Là, je pense que là, c'est la 4% que je mérite, parce que ça fait 25 heures que je suis sur l'item, en fait. Presque consécutive en plus. D'où mon état psychologique, hein, paniquez pas sur YouTube, hein, je répète. Painé, là, j'ai un doute. Peut-être qu'on fait autre chose. Ah bah non, le reste est perf. Allez, go. Hop, moins 1. Parfait. 61. Bon, là, on va avoir du mal. En fait, théoriquement, pour faire les choses... Pour faire les choses vraiment magnifiquement, il faudrait tenter le quintuple succès crit à la runini, hein, pour gagner une tanta, mais... Allez. 10 tanta. Moi, je colle le perf 4%. Voilà, j'y crois, j'ai absolument aucune raison de douter, ça se passe tellement bien depuis le début. Allez, 1. Allez, 2. Ouais, bah écoutez, on n'est pas si loin de ça, hein, c'est... Ah, entre 2 et 4%, c'est vraiment une différence. De toute façon, le PA repasse jamais. Oh! Je ne m'y attendais pas. Le PM ne repassera de toute façon pas, voilà, c'est la vie, hein. Patak, me dit Charlie. J'écoute Charlie. J'écoute le dieu ultime, moins 12. Faut peut-être s'occuper de la Vita quand même, hein. Tu fais quoi de la Vita, Charlie? Aide-moi, Charlie, je suis perdu. C'est le repassage PAPM qui est confiné MDR. Ah, je crois qu'on a mis le doigt sur quelque chose là. Retrait PA. Moi j'écoute, hein. Hop. Et INI. J'imagine. Je présume. Je me permets de faire une suggestion. Ah bah bravo, la Runini. Elle a un job à faire, elle sait pas le faire correctement. Et moins 6, voilà. On veut un moins 5, elle me fait un crit, un moins 6. Ça, c'est vraiment les foutages de gueule, ça. Ça passe pas, ça. C'est pas correct. J'aime pas. Bon, tu fais quoi après là? La chance, tu en fais quoi? Tu fais pacha rachat ou tu fais rachat rachat?
T'as grid, hein. T'as grid Lini, c'est terminé. On pouvait la jouer plus safe. De toute façon, tu sais que je vais pas te mentir, à partir du moment où on a 38 sagesse, moi le reste, j'en ai plus rien à secouer. Allez hop. Rachat, rachat, t'es sûr de toi? Mais moi je ferais tellement pas chat, rachat, c'est tellement plus safe. Tac d'eau. On me dit tac d'eau. Non, tac d'eau. Attends, tac ou d'eau? Non, tac puis d'eau, je pense. Là, tu mets Rainé, on est d'accord, non? Rainé into tac. Ou tac into Rainé. Ah bah bravo, Charlie, tu fais tomber la chance. Ah bah c'est super ça. T'as tout gagné. 90 de puits. On va avoir un petit problème de Vita. Hein. Moi, je serais d'avis d'aller chercher l'Intel. Alors, j'ai moins 1. J'ai moins 12. On est à 77. On fait quoi, Charlie? Charlie, aide-moi. Pavi? T'es sûr de toi? 100%? Mec, l'attentat est magnifique. Non, non, on va faire. Je vais faire une dérogation à ma règle. Quitte à vouloir avoir de la chance, autant balancer de la rune vie, hein, tu sais, à ce stade. Allez, c'est parti. Mais même un 3% sur une Vita dégueulasse, j'ai même pas le droit de l'avoir. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Même ça, je peux pas, quoi. Et là, vous allez voir que ça va repasser là-dessus, hein. Ça, je connais. Hein. Ah bah, oh, pff, ok. Ok, tentage des perfs. Y a plus qu'à aller chercher. Alors, par contre, le 49, il nous met, tu vois, 48, ça passe, 47, ça passe, 50, ça passe, mais 49, c'est la valeur de merde, quoi. Y a pas pire à dire. J'ai presque envie de commencer par gérer ça, en fait. Je vais faire ça. Ça. Mais non, mais il se passe quoi, en fait? Mais sérieusement, c'est quoi cette daube? Non mais attends, expliquez-moi, j'ai fait quoi en fait? J'ai fait quoi pour mériter ça? Mais... Et je suis en double puits, hein, il n'y a pas le PM, hein. C'est... Charlie, à l'aide, je fais quoi? Je fais quoi de la Vita? Est-ce que je fais Rune Vie Fusion et tout? Dis-moi. Dis-moi complètement, s'il te plaît. En vrai, on a 32 de Vita à dégager. Donc là, Charlie, sa théorie, c'est ravi, ravi, inné, et si on a moins 6, double pod. Je connais ça, je connais. Ah, le petit crit qui met bien en plus, mais oui. Mais oui. Non, non, là je veux 350 parce qu'on va avoir le perf sagesse, donc je veux du full perf. Là on est d'accord, inni là, non? Ou alors tu fais autre chose, toi, tu mets une painée. Si on met une painée, on a moins 15, il faut relever 17, on est dans la sauce par contre. Hein. Moi je pense que c'est inni le bon plan. Pas inné. Tu mets pas inné là? Mais non, mais j'ai moins 15. J'ai moins 15, je suis à 367, je fais comment en fait?
Non, non, moi je dis ini. Tu fais ini moins 5. Ah, par contre, là je suis dans la sauce. Sauf si je fais ini, pas iné. Et là je peux faire. J'aurais eu moins 6, je tombais bien. Hein. Là par contre, je tombe pas très bien. Je peux tenter le moins 6, moins 6, mais ça va jamais me le donner. À chaque fois, ça me fait de la merde. Oh! Ah, j'y ai cru. Non, mais ça se tentait. J'ai voulu grid, hein. J'ai grid le perf, hein, c'est tout. C'est my bad, hein. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Quelque part, c'est terminé, là. De toute façon, comme à la fin, de toute façon, il n'y a pas de PAPM, on sera à la limite. Bon. Hein. J'ai moins 1. J'ai grid, mais il faut savoir. J'avais pas tellement d'autres moyens d'aller chercher le perf, hein, de toute façon. Sinon, je pouvais sécuriser le 349, mais j'ai voulu griller. Moi, je vis pas pour faire le fragile comme ça. Hein. Par contre, là, on a le crit, là, évidemment, juste quand on s'en tape. Ça, c'est classique, hein, on connaît. J'ai eu moins 1. J'ai quoi? Ah, j'ai pas grand-chose qui. Ah, ouais, non, j'ai quand même de la double. Hein. Le petit crit, le petit crit, le petit succès neutre. En vrai, c'est honnête là. 67, mais parfait. Regarde, on fait un crit là-dessus et on a 11 tenta, mais c'est magnifique. Genre, ça crit pas. Quelle mauvaise foi de la part de Dofus. Je l'ai mérité le perf là. Franchement, j'ai tryhard. Hein. Si ça, c'est pas un perf mérité, je sais pas ce que c'est un perf mérité. Hein. Même pas, je vais avoir le 3%. Bah oui, évidemment. Et évidemment. 94, pas de perf sagesse. Du coup, je tryhard pas le perf vita. Ça sert à rien, c'est du gâchis. Go. De toute façon, à la fin, il n'y a pas de PA. Ça me pourrait faire un petit. Le tube de l'été. Spécial confinement. Moins 20. 34. Il me manque 2. Aïe. Aïe aïe aïe. En vrai, je peux tenter une pavie. Si j'ai une pavie, c'est correct. Et non. 5 tentats. Ah non, j'ai encore une. Hop, et non, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, et bien sûr, on a le 3% là-dessus, mais ça c'est la classique, hein, c'est éclaté en fait. Pas de PA. 98 depuis. Tout se passe très bien, évidemment. Ravi. Je call, moins 20, hop. La petite rune, ouais. Lara, moins 10. Ok, le critique ne met bien. Ouais, ce qui est relou, c'est que j'ai des items qui sont tellement beaux quand le puits tombe que je peux même pas baisser mes over, quoi. On en est là. Hein. Rune d'OR, c'est pas mal ça. C'est plutôt stylé. Hein. Ça passe en plus. Plus 5, 63. J'ai une tenta sagesse. Et 10 tenta res. Pas de regret. Hein. Pourquoi je mets 6? %. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 depuis. Alors il faut quand même reconnaître que là, j'avais le perf sagesse. Et j'ai juste quand même le moins 1 de sagesse qu'il me faut à 39 quand le PA tombe. C'est vraiment le. L'univers qui me dit t'auras pas ton perf sagesse quoi, c'est vraiment c'est une aberration. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin d'over. Et qu'on peut tomber assez vite sur quelque chose de stylé. Ça c'est efficace, ça. Propre, efficace, droit au but, tout ce que j'aime. Ok, moins 30. 52, il nous manque 2 depuis, hein, littéralement, pour avoir une tenta de plus. Je regarde ce que j'avais avant, mais.
Ça ressemble à du 0 de... ça ressemble à du 0 de puits. Ça, je connais ça. Ça, c'est 0, ça. Un petit crit. Un petit crit. Et non. Du coup, j'ai 50. Enfin, j'ai 48. Je peux tenter la sagesse, hein, bien évidemment. Hop. J'ai 8 en tas. Et évidemment, 95 de puits. Alors, on n'aura pas le perf sagesse. Alors, je vais tester. Ah, enfin, j'ai une congruence à 350 par 15. Ça, c'est parfait. On va pouvoir tester la technique de notre ami Charlie, typiquement de la pavie à 335. C'est parti. Tout peut arriver. C'est pas glorieux, hein. Ouais, je valide que la ravie était plus strat, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, ça pique. C'est littéralement un moins 42 qui proc. À partir de là, on est un peu dans la fange, hein. Ça va être compliqué de s'en sortir, je vous cacherai pas que... Bon, allez, on va faire un over là-dessus. Moins 20. Tac, on récupère ça sur les dockeries. Ah. Hop. Dix-neuf de puits restants. J'ai un en rab. Bah, j'ai rien à en faire, hein, malheureusement. Donc ça part en 3 tentats. 1%. Pas de PA. Hop. 89 de puits. Bon, on peut avoir le perf sagesse. On a un problème de chance, hein. Je vais pas vous cacher que là, c'est chaud. Je vais commencer par la chance, je pense. 3. On va monter la chance, tant qu'à faire. Ah, j'aurais aimé un peu plus de crit. Allez, ravi. Ok, ça passe, cool. Moins 10. Je peux mettre. Si je mets tac, en vrai je vais mettre retrait PA et INI. Je voudrais avoir du moins 5 et moins 6. Mais c'est incroyable, les moins 5 et moins 6, c'est pas genre une chance sur deux. C'est genre à chaque fois ça fait ce qui te fait le plus chier en fait. C'est littéralement ça. Hein. Il y a plein de rêves de fuse dans ces vidéos si tu fais gaffe. Non, mais il y a des rêves de fuse partout. Tout le monde connaît, mais il y a une différence entre mettre des rêves de fuse de temps en temps ou vraiment avoir, être en train de tryhard le jeu. Mais oui, évidemment qu'il y a des rêves d'offus. Mais même dans plein de trucs, dans la musique populaire et tout, il y a des rêves d'offus partout. Bon, bref. Inné. Allez, je vais faire la technique de Charlie une fois de plus. Moins 30. Bah, j'ai plus rien, hein. C'est littéralement la sauce, hein. J'ai plus de puits, c'est terminé. Ok, le crit. Ok. On va mettre la fuite. Le crit, ok, étonnant, très étonnant. Je suis à 16, bah avec 2 fuites, je suis à 24. Et incroyable, hein. 4 tentats. 1%. Mais c'est. Il se passe un truc avec les PA, mais c'est pas possible, j'en suis à combien là? Vous me croyez si je vous dis que j'ai racheté 100... J'étais à plus de 100 GPA quand j'ai refait mon stock, j'ai encore eu 0 succès crit de PA, on est à 72, hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Je pose ça là au passage. Donc 94. Charlie me dira sa first. Pas d'eau. Allez, on va écouter Charlie. Le crit. Merci Charlie. C'est toi qui nous love celui-là. Tu nous régales. C'est parfait. Là, pas d'eau. Moi, on me dit pas d'eau. Je mets une pas d'eau. Hop, ça passe. Moins 15. Là, j'en suis à un stade où moi je réfléchis, mieux je me porte. Hein. C'est littéralement ça. J'aurais tendance à dire maintenant. Tra, il faut s'occuper de la chance aussi. Je vais mettre la rachat, tiens. Moins 10. Comme ça, je peux récup. On fait de la récup, hein, là, littéralement. Hop. 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 Parfait. Oh, ça se passe bien, là, c'est étonnant. Même moi, j'y crois pas. On en est là.
J'ai toujours rien tapé à part ma pado et ma racha. Hein. Je serais d'avis de tenter plutôt la painée. Pavi ravi, me dit-il. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq. Moins 15. Et moins 10, évidemment. Allez, painée. Ok, ça passe très bien. Moins 12. Et moins 7. 25. Toujours pas de PA, hein, évidemment. 84 depuis. Bon, il faut virer 39, les amis. 39, qu'est-ce que c'est dans une vie? C'est pas grand-chose, c'est 8 depuis. Je pense qu'on va faire paniné, paniné. Hop, et on va balancer la petite réfixe. La petite painée. Moins 1. Moins 15. 68. La petite rachat. Évidemment. Moins 20. 48. C'est parce que je voulais tomber sur un multiple de 6. Hein, et ça c'est juste logique. Est-ce que c'est l'heure du 4% les amis? Non, est-ce que j'ai le PA? Oh! Est-ce que je vais enfin avoir le droit d'aller dormir? Est-ce que j'ai le droit d'aller dormir? Eh non! 95 depuis. Bon, bah on n'a pas touché la vita ni la sagesse, c'est déjà ça. C'est pas très beau, mais au moins c'est comme c'est, hein. Rainé, je pense. Aïe. Ah, si c'était passé direct, j'aurais pu avoir une tenta très très lourde. Et là, là, je me suis un peu fait saucer, malheureusement. Un, deux, trois, quatre, cinq, moins 15. Quarante-cinq. J'ai trois de plus en rab. Je peux balancer une ça. Et cette tenta. %3. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 98. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vita? Ça c'est vraiment la question fatale. Hein. 28. Comment on enlève 28? Comment on tombe sur du perf? C'est chaud. Hein. Je peux peut-être tenter ça. Ah, je crois que j'avais une manière au petit de faire, j'ai été bête. Bah, j'ai les neurones qui fondent hein, aussi, ça n'aide pas évidemment. Alors, par contre, forcément, quand on prend du full crit, ça marche bien. Tout de suite, on regrette pas, hein, bien entendu. Franchement, est-ce qu'on spammerait pas la runini pour aller choper du moins 6 en masse? C'est franchement. Oublie que t'as aucune chance, oublie, fonce, on sait jamais. Non mais c'est ça. C'est la mentalité qu'il faut avoir. Alors Grifox, après des mois d'arrêt, tu reviens pile au moment où c'est encore plus de la merde qu'à ton départ, lol. Ah! La tristesse. Ta vision est aussi stable que les serveurs de Fus. Ouille! Celle-là était. Tu t'es vengé, tu as gagné. Pacha, tu dis Pacha toi. Oh, t'es un génie, t'es vraiment le boss. Charlie qui nous PL ce soir, il nous PL les pâteaux. C'est remarquable, hein. Là à ce stade, que dire. Bah en vrai, tu mets Racha là?
premier achat. Tu mets quoi là, Charlie? Tu mets repair ou tu mets de cri ou tu mets païné? Moi, je suis tout ouïe, hein, si tu veux. De toute façon, il faut bien se rendre compte que je les aurai jamais, ces patos. À partir de là, on peut expérimenter, hein. Ok, ça fait. Alors là, c'est du succès crit échec. Très bien. Moins 9. Païné. Deux cris peut-être. Là, on a le full perf, hein, c'est beau, hein. Moins 10. -49. Bon, là c'est stylé. Il ne fait clairement 8 en tas. Franchement, si j'ai un 3% là-dessus, c'est ok, hein. C'est 100% ok. Allez, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. De toute façon, je suis habitué, hein. Y a aucun souci, hein. 85 depuis. Bon, on n'a pas le perf sagesse, on va pas tryhard de la vita, hein. Ah, je dis ça, mais on peut. Allez. On va pas faire le mec désagréable avec la vita, quoi. Mais ça donne pas envie de tryhard, quoi. Que ce soit bien clair. Ok. Hop. Voilà, on est plus ou moins récompensé, on va dire. Les petits crits, je savais que ça allait crit, hein, je me suis dit, allez hop, tout. Ça picote ça, hein. Moins 28. J'aurais peut-être dû y aller, elle a pas, hein. Surtout que je peux pas. Allez, c'était débile là. Surtout qu'en plus, je peux même pas récupérer l'over, c'est j'aurais dû y aller à la passe. J'ai fait le singe là. J'ai fait l'orang-outan, comme diraient certains. Do-R, hein, très certainement. Ouais, là, j'ai complètement choke. C'était naze. Bon, ça va, je récupère, mais franchement, pas ouf. Hein. Bon, je m'en sors très très bien. Hein. Là, franchement, ça m'a fait un cadeau. 33, j'ai une tente à ça. Allez, on va chercher le petit perf là, évidemment. Hop, ben non. Est-ce qu'on n'aurait pas 5 tentes par hasard? Si, complètement. Et voilà, let's go. 97 depuis. On a le 40 sagesse. Alors là, normalement, je peux aller chercher le perf Vita. Donc on aura théoriquement notre G-perf, mais on a les doubles 59 qui font un peu peur, je dois reconnaître. Moins 10, la rune pod. Ok. Alors, la question c'est comment on gère les stats? Sachant que je suis quasi full perf sur le reste, quitte à être dans la sauce, on va y aller au fond, on va mettre le dos-feu. Ah bah ça crit, c'est parfait. Bon bah alors là, il va nous falloir beaucoup beaucoup de... Il va falloir que ça se passe bien sur les runes pas, quoi. J'ai peur. Littéralement. Bah, pour l'instant, ça va, hein. Là, j'ai eu moins 6. Bah écoutez, voilà, des fois il faut savoir avoir peur, hein, c'est très clair, hein. Moins 1. Et on a eu chopé notre perf avec un talent indéniable. C'est si beau. 74, bah écoutez, on est sur un 12 tenta, hein. 12 tenta en G-perf, pour ceux qui me disent que le double puits ça sert à rien, voilà l'intérêt. Bon alors après, effectivement, on n'aura pas le PAPM, mais au moins on voit passer des 12 tenta res, quoi, ça c'est quand même... C'est un peu le plaisir. Est-ce qu'on est... Voilà, hey. Est-ce que là, on part pas sur un 4%? Peut-être 5, peut-être 6. Les amis. Hey, je call le 5%. Alors là, par contre, je screen, parce qu'en fait, on est sur du 9 tenta sur un perf 3%. Je promets que si j'ai pas... Tu vois, Charlie, toute la discussion d'hier de variance, de tout ça, c'est pour arriver à ça. Tu vois, c'est toute ma nuit, toute ma nuit AFM pour arriver à ce stade. Et j'ai aucun regret, mec, j'ai aucun regret. C'est si beau. C'est si beau. Allez, le screen est pris, on enchaîne. Je veux voir un 4. C'est pas grave, c'est pas grave. Si on a le 3, ça me va.
Ça me va. Et non, mais c'est pas grave, on continue. On adore ça. On adore faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien, Dofus. Allez, on continue. 94 depuis. Allez, on est pas mal là. Hein. On est pas mal. On est sur un J qui ressemble à un truc quand même. On va commencer par la vie. Pas le choix. Ah, moins 30. Alors, on a un problème. Il y a un mec qui s'appelle Jean-Poil dans le chat. Hein. Bon, voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Rachat, je pense là. Hein. Moins 20, tra, je perds tellement pour 3 fois rien. Ça, c'est quand on peut pas jouer aux congruences, on se fait un peu saucer. Hein. Allez, je vais y aller comme ça maintenant. Moins 24. Tra, on a perdu tellement pour monter 3 lignes, quoi. Ça rend un peu fou. Hein. J'ai 21. Je peux tenter normalement une Paini. C'est ça, hein. J'ai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai compté 8, j'en avais 7. My bad. Du coup, j'ai pas 20. J'ai 23, donc j'ai 4 tentats. Si j'arrive encore à compter du puits à ce stade de déchéance psychologique, c'est vraiment que j'ai un don pour ça. Allez, 1, 2, 3. 4, j'avais bien compté, nickel. Oh! Bah oui. Évidemment. Bon, je crois que. Est-ce que ça vaut la peine de filmer ça? Allez, on va balancer de la grosse patate énervée. C'est parti. C'est complètement parti, les potes. Moi, je veux voir du 3% qui sort. C'est raté. C'est complètement un échec. 97 depuis. Alors. Va falloir gérer la vita là. Comment faire? Comment faire? Je pourrais aller chercher le perf, mais je veux pas me casser la tête parce que de toute façon on n'a pas le perf sagesse. On va juste aller check le 347, ce sera très bien. Ça m'a pris beaucoup de runes ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. Moins 10. Le crit, ok. C'était bien les crits là, ça pouvait continuer, moi ça m'allait. Hein. Moins 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 18. Moins 10. Le crit à la passa, pardon, qui fait plaisir. 32, j'ai 2 de puits en rab. Bon, j'en fais rien hein, concrètement là, c'est. J'allais dire, je peux tenter une vie, mais non, je peux même pas. Allez, c'est parti. Bah, nickel, hein. Bah, oui, hein. Alors, on a 2, on a 97, on a 99 de puits là-dessus. Vous verrez que j'ai un peu optimisé le placement sur l'écran des différents éléments importants pour que ce soit plus confortable. Là, la question, c'est la vita. C'est qu'est-ce qu'on fait de la vita? On peut chercher le perf, mais c'est un peu compliqué. En gros, ce qu'il nous faut, c'est la pavie, qui crit évidemment. La ravie. Il y a un petit lag. Ok, bon. Les serveurs Dofus sont en galère, hein, ça c'est clair. Alors là, j'ai deux options. Soit je fais de la rune ignie et j'essaye d'avoir deux fois moins 6. Là, il va vraiment falloir de la chance. Soit je fais la rune pod et auquel cas je suis sûr d'avoir 349. Mais double moins 6, c'est greedy, hein. C'est greedy, mais écoutez, on est là pour greed aussi hein, dans la vie des fois. Allez.
Bah oui, bah évidemment. Moins 5, je me suis fait punir pour mon. Et là, en général, c'est quand t'as le moins 5, moins 5, là tu te tapes le moins 6. Ouais, bon, ça passe. Écoutez, voilà, hein, c'est la vie, hein. Non, mais je préfère avoir test je préfère avoir test le 350 en me disant moi j'ai test, j'ai pas de regret. Que d'avoir mis en mode. À aucun moment j'ai essayé de choper le perf en ayant mis une rune pod. La rune pod, c'est la strat de la défaite, quoi. Là, moi j'ai essayé. J'ai essayé. Bon. On va mettre la Rainée pour écouter les conseils d'un très cher ami. Qui crit, hein, ça c'est évident. Hein, ça c'était. Il n'y avait aucun doute. L'Arasha. Moins 17. Le petit over qu'on enlève. Moins 3. On a une belle tenta là. Hein. Le petit Dofeu. Moins 5. On a 64. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter la pavie. Parce que si elle passe, bah je récupère plus 2. Ça se tentait, j'ai pas de regret. Là j'ai un de restant, là pour le coup j'en fais rien. Même si je veux passer une rune vie, ça m'aiderait pas, faudrait que je rebaisse après. Donc, Ok, j'ai 10 tentas. Je vérifie que j'ai rien oublié, tout est bon. Peut-être le gros jet, hein, qui sait, hein. Tout peut arriver, les amis, hein, dans cet univers, rien n'est impossible. Ok, est-ce qu'on a le PA? On a le PA, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 98 de puits. Alors, on a une tenta qui est sympathique. On va sortir la Ravie. Ah! Bon, on a eu le crit pour nous consoler un peu, mais on a quand même pris cher, hein. Il me faut un moins 30. Ça se fait à la double, pacha, ça. Yes, on a le perf. Cool. On va mettre. On va mettre la pacha. Moins 15. C'est un peu technique là. J'hésite en fait à faire la Rainée, comme la technique voilà, qui m'a été présentée il n'y a pas longtemps, de se dire on n'atteint pas le GPF, donc il y a plus de chances que la Rainée passe bien et on peut défoncer moins de puits dessus. Et après on se retrouve à 59 intel et là on est dans la sauce par contre. Alors que si je fais Painée et après Rainée, il y a peut-être que la Rainée passera moins bien, mais Ah, j'ai envie d'y aller selon ma vieille technique quand même, qui est plutôt de faire painer-rainer pour éviter de se balancer avec une rainer. Ah non, non, Charlie me dit rainer en first. Hein. Bon, bah écoute, jamais couvert d'esprit, moi. Non, mais t'as tout le temps raison, à chaque fois que je t'écoute, ça crit. À chaque fois que je t'écoute, ça crit, c'est que. Ça sert à quoi que je fasse mes théories si la pratique te donne raison? C'est incroyable ça. Bah, c'est parti. Et là, tu vas à la rainer pour la suite ou tu mets une painer? Parce que moi je mets inné, fusionné tout moi. Ah c'est technique hein. C'est technique. Moi j'aurais tendance à dire Allez je vais spam les painés. Oh là là, c'est le karma ça, je l'ai mérité celle-là. J'ai été bienveillant, j'ai été gentil, j'ai été ouvert d'esprit, et ça passe. C'est vraiment c'est pas plus compliqué que ça la vie des fois. En plus je récupère le puits, là ça va crit, hein, je connais. Ouais non ça passe, mais je suis archi bien là. Je suis archi bien, 44, bah y a vraiment pas grand chose à faire avec les deux de puits restants. Techniquement je pourrais tenter le. Alors, si on voulait vraiment faire les choses hyper bien, il faudrait spam ça pour essayer d'avoir deux succès crit. On va le faire pour vraiment faire le mec qui fait les choses bien. Non, ça marche pas. Donc j'ai 7 tentas. Mais c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais là on est sur un jet quand même qui ressemble à quelque chose. On ne pourra pas le nier. Hein. Allez, 3%. Bon. Est-ce qu'on a le PA? Bah non. 93 de puits. Alors, ça va être compliqué de. Ça va être un peu technique là d'aller chercher le gros jet. Qu'est-ce qu'on fait de la Vita? Qu'est-ce qu'on fait de la Vita? Eh ben écoutez, on peut aller chercher le perf là, je vais vous montrer. On a le perf, hein. Là j'ai moins 12.
En fait, là, le... après nos discussions et après nos tests, vraiment, les pavis passent bien tant qu'on fait pas d'over en fait à la pavie. C'est-à-dire que jusqu'à 334, 335, vous pouvez y aller à la pavie, après c'est très compliqué. Mais là, je pouvais. Regardez, je fais ça. Moins 10. Je sors mes petites twin pods des familles. Tac, tac, tac. Ah voilà. Mais c'est tout, les amis, c'est le talent. C'est le talent. C'est si beau. En plus, là, j'ai plus 1,5 depuis, hein. Littéralement. À partir de là. Alors là, pour le coup, je vais mettre rachat. Là, je vais faire à ma façon. Moins 8, parce que là, on est en congruence à 60. Donc là, c'est nickel. Ça se passe bien. Hein. Moins 12. J'ai pas tenté le. J'ai pas compté là le. J'ai fait une erreur. J'ai compté moins 2 pour les. Pour les pods, mais non. Alors là, j'ai mis moins 8, on va mettre plus 8, on va recompter plus proprement. Les 20 pods, ça pèse 2,5. Enfin, les 10 pods, c'est 2,5. Donc les 20 pods, c'est 5. Donc j'ai 10 moins 20 pods, donc j'ai moins 5. Voilà. J'avais fait une petite erreur. Et en plus, là, je me suis enlevé le chat, donc je ne l'ai plus sous les yeux. Allez, on va mettre la docri. Moins 5. La petite passa. Moins 9. J'ai 41,5 depuis, ça c'est pas de chance. Est-ce que je n'avais pas d'avant? Je vais regarder. J'avais 4. Là j'ai eu un moins. Oh là là, ça sent pas bon ça. Je peux tenter d'avoir de la chance, hein. Bon, je vais en mettre 6, et si j'ai pas de 3%, je mettrai une 7ème. On va plutôt faire cette méthode. C'est pas dégueu, hein. Je vais pas griller la 7ème. Je vais pas griller la 7ème. Eh, je l'ai mérité ce perf, hein, je suis allé le chercher. Ce G perf 3%, c'est. Je sais pas, ça doit être mon. Je sais pas, c'est ma combientième tentant en perf 3%, les amis. Je finirai par l'avoir, hein, techniquement. Normalement, ça passera un jour, hein. Allez, le PA. Bah non, hein, forcément. 95 depuis. Bon, alors cette fois, on n'aura pas le perf sagesse. Donc, quand j'ai pas le perf sagesse, je tryhard pas le perf vita. On va plutôt miser sur une. Comment dire? On va plutôt miser sur le fait d'avoir une grosse tenta sur les raises. Je vais y aller comme ça. Moins 20. Comme ça, je récupère là-dessus. Le petit crit, évidemment. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 24. Le crit, ça passe. J'ai moins 12. 39. Aïe. Moins 29, 19 depuis. Bah écoutez, pas ouf. Hein. 3 tentats. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 99 depuis. Bon, on a un G voilà, qui est bien bien maxé sur beaucoup de lignes. Juste les 3 premières, on n'aura pas le perf sagesse. Écoutez, j'ai envie d'aller chercher des méga grosses tentas là. On va faire ça, tiens, pour celle-là, pour changer un peu. Ok, c'est correct, j'avais peur que ça me prenne beaucoup. 4, 5, 6, j'ai moins 18. Là, on va avoir une tenta énorme. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est pour. J'ai combien? 69? Ah, j'ai 69. Bon, je vais tenter une rune chat. Une pacha, voilà, j'ai 66, je vais mettre 11 tentats à restfaire. Comme à la base, c'est quand même pour un anifeu en fait, donc les 5900 le chance, à titre exceptionnel, au vu du contexte, on va l'accepter. Donc, c'est parti. Alors là, si j'ai pas le 3%, j'ai vraiment une maxi poisse. Hein. Non, mais voilà, que dire? Voilà, j'ai le PA bien sûr, et ça, c'est évident, le BM repasse là. Ah, même pas, ah, très bien. 88 depuis. Bon bah pas de perf sagesse. Alors comment on gère la vita? Il faut mettre une rala, hein, sinon ça va être hardcore. Moins 10. Bon j'ai 36 en rab. Je peux mettre deux pas pour avoir moins 30 et espérer avoir un. Je fais ça. Hein.
Je vais mettre pas, pas. Hop. Et espérer le moins 6. Évidemment. Évidemment, tout le temps, hein. Tout le temps, t'as le moins 5. Et puis après, t'as le moins 6 qui te met encore plus au fond. C'est vraiment la vie, hein. Bon. Bah, c'est parti. Moins 2. J'ai hésité entre pas et ra là, mais je me suis dit, allez, pas, ça sera bien. Moins 18, ouais, ça coûte cher quand même, hein. Ça coûte cher quand même. -41, évidemment, il me manque un depuis, ça c'est vraiment la base. Alors j'avais quoi là? J'ai eu moins 1, là j'ai rien. Là j'ai moins 1, donc là j'ai eu moins 2 pour l'instant. Là j'ai plus 1. Là j'ai plus 1. Et là à mon avis j'ai 0. Non bah il me faut un crit. Hein. Ou alors. Ouais non, on va chercher le crit plutôt. Du coup j'ai moins 2. 39. Bah je peux tenter le. Je peux tenter la rune ça. Hein. Ok, j'ai moins 2. 37, je peux tenter la rune vie. J'ai 6 tentats. Ok, hop. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Je crois que ça doit être un des seuls qui repasse. Mais là, j'avais pas le double pu, donc il compte pas celui-là. Ça rentre pas dans mes stats. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est très très moche, hein. Par rapport à ce que j'ai tryhard, ce serait un peu honteux de s'arrêter là-dessus, j'ai envie de dire. Je peux pas, hein, mon honneur, il est en jeu là, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Après, je veux déjà avoir une vidéo qui va faire à peu près 1 millier d'heures en compilation. Il faudrait pouvoir faire un mini sondage dans le chat là. On garde pas, on tente une raise. En fait, moi là, ce que je serais tenté de faire, je vais être très franc, hein. C'est de balancer la petite reste distance là. Si j'ai un succès crit là-dessus, pour le coup, ça mon tryhard il est rentable. Mais là, je sais pas combien de dizaines de millions de runes, mais ça fait peur. Et là, clairement, c'est pas ouf. On me suggère le concasseur. Vraiment, hein. Mais on s'est même pas dû. Ça aurait été un perf 2%, à la limite on pourrait se poser la question, mais là. T'es un ouf, tu as pas assez souffert. Ok, bon, si on me dit ça. Allez, le crit. Non, mais j'ai test, j'ai pas de regret, voilà. On n'a qu'une vie. 97 depuis. Bon. Petit problème de sagesse. Pour la Vita. Je pense qu'on va. On va double rat. Hein. Voilà. Moins 10. Et on va double pas. Voilà. On va rachat. Moins 10. Qu'on récupère au de crit. Nickel. Ok, ça va, j'avais peur. 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. Bon, c'est pas dégueu, hein. Si la passa n'est pas trop capricieuse, on a quand même une tenta qui est pas horrible. Ok, la crit. 62. Bon, bah, y a pas grand chose de plus à faire. Techniquement, faudrait que je tente le double succès crit à la ré fixe et tout, mais ouais, ça va. Ça va, hein. Et là, on a que le PA à repasser, les amis, hein. Attention, hein, tout est possible, hein. Ce serait bien la peine que j'ai passé 4 jours à faire du double pu pour que ça passe sur un pupé. Ah, ça, ce serait cocasse. J'ai dit 60, j'ai dit 10 tentats, hein, il me semble. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça, 10 tentats. Let's go, les potes. Allez, je colle le 3%. Ah, j'ai call, mais il a pas répondu. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. F, c'est.
Forcément, forcément, c'est sur du 2%, mais c'est obvious. Par contre, ce soir, ça passe mieux, hein, il faut reconnaître. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Pour le coup, on a le père Vita, mais on n'a pas la sagesse, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'on va partir sur le théorème de la reste distance, les amis. Franchement, si on a un crit là-dessus, on est bien, mais à un level. Non, mais j'ai test, hein, j'ai aucun regret, hein, tout va bien. On peut même peut-être essayer de récupérer un G. Si j'ai un crit là, ça peut, tout peut arriver, les amis. Ouais, normalement, on continue. 93 depuis, on va pouvoir tester la théorie de la papode. Let's go. Ah bah voilà, on a déjà plus de... C'est tout ce que j'aime, hein, voilà. J'adore la vie, j'adore Dofus. Donc bon, bah c'est fini pour l'attentat, hein, bah bravo, merci d'avoir regardé. Mais on va juste pouvoir tenter que la papode, elle met bien moins 38, ouais, c'était... La théorie est confirmée, voilà, on a gagné quelque chose sur cet attentat, faut être positif toujours. Le mindset, les amis, le mindset, toujours au top. 95 depuis, tant t'as pas ouf, je dis 95, mais en fait non, c'est plus que ça, j'ai plus 1, là. 96, autant pour moi. Ouais, c'est pas très beau, hein. C'est même assez moche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les amis? On va faire... Tac, tac. Moins 20. On va faire... Tac. Genre, j'ai un moins 16, là. Abusé. Abusé. Bon, on va faire rat. Hop, moins 20. On va récupérer l'appât. Oh, je voulais un crit, là. Enfin, je voulais pas de crit, pardon. Oh, je suis un singe! J'ai balancé la rage, j'avais oublié que j'avais le 3. Oh, je suis vraiment un guignol, mais extrême. Bon, bah, let's go, on y retourne, hein. Ok, j'ai le crit qui me console. Ça, des fois, le jeu, il me fait ça. Genre, je fais de la merde. C'est comme si l'algorithme me disait allez, t'étais pas concentré, recommence. Ok. Ok, c'est bien. Non, mais voilà, ça arrive, hein. C'est voilà, et là, c'est ça que je voulais. Donc là, j'ai fait un retour arrière et j'ai repassé ma rune, et cette fois-ci, elle passe. Voilà, et le crit, regardez le karma, quand je vous ai dit que le karma, il m'a tellement rec depuis le début du FM que ça va commencer à me sourire, c'est évident. C'est vraiment... Regardez, j'ai pas tapé de pute depuis les moins 20 des Rainés, là. Tout ça c'est gratos. Tout ça, c'est Dofus qui régale. C'est vraiment le feu, les amis. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Ok, moins 14. Là, ça pique un peu, par contre, hein. Alors, aïe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ça passe jamais là? Moins 8. 19, ah, c'est pas ouf, ouf, hein. Allez, 3. J'aurais bien vu un 3%. Pas de PA. 79 depuis là-dessus, avec un doute sur ce qui a fait tomber le PM. Bon, on verra. Il faut over. Voilà, bonne soirée à tous. 98 depuis. On va y aller à la pavie, je pense, hein. Non, pas de pavis, pardon. Ravi. Ok, moins 10. Je peux grid le perf. Ouais, je vais faire ça. Faudrait juste un moins 6. Mais j'ai vraiment jamais les moins 6 quand je... Encore, 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 encore. Tout le temps, c'est ça. J'arrive à 351 et là j'ai un moins 6, mais ça me fait ça tout le temps. Mais c'est incroyable. C'est honteux. Bon, rachat. Qui crit? Non, bon, qui passe. Moins 8. Pas oublier d'enlever l'over. Hein, ce serait dommage. Oh la vache. Moins 36. Hein. Bon, bah écoutez, c'est la life. Hein. C'est apparemment la vie que je mérite. Hein. Je maintiens que sans le PM, ça passe quand même beaucoup mieux. Hein. Après, on peut avoir le 3% là, hein, mais... 2%. Oh, là c'est intéressant. Ok, j'étais à 0 du coup. Là j'ai 40.
Plus 12. Plus 90. Moins 100. C'est... ouais, ça peut faire un truc, mais bon, c'est pas ouf. 42. Moins 15. Moins 10. 17, bon bah, ça va être compliqué d'aller. Je peux espérer que j'avais un avec deux restants avant. Je suis retenté. Ouais, je l'avais effectivement. Bah oui. Mais non, mais évidemment, c'est bien sûr. Et pourquoi pas? Bah on continue, hein. Allez, c'est parti. Du coup, j'étais à 0, on va dire. 60. Ça, c'est chiant aussi quand on n'a pas le double puits. Quand j'ai le double puits, j'ai jamais ce problème de truc qui pète tout, hein, mais. Plus 15. Après, si j'ai du crit, il peut se passer quelque chose, hein. Plus 7. Plus 100. Plus 6. Moins 90. 98 depuis. Bon. Je vais y aller au feeling. Moins 7. Il me faut un crit là. Bon, ça passe. Et il me faut du crit à la rat. Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, il me reste une tenta, les amis. C'est vraiment parfait. Hein. Non, mais c'est nickel. Hein. Double crit pour avoir ça, c'est tout va bien. Et je vais l'avoir, vous allez voir. C'est la classique. Et non. 75 depuis. Bon. On va pas tryhard le perf. Hein. De toute façon, ça sert à rien. Hop là, nickel, tout ce qu'on aime. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça, hein. Ouais. Tac. Oui. Moins 24. Moins 9. Moins 5. 37. J'ai pas grand chose à faire du 1 que j'ai en rab. Allez, 2%. Oh, il va essayer de me faire le coup à chaque fois ou comment c'est là? Bon, j'avais 1. Oh, j'ai la flemme de faire 136 x 5. Regardez, on va faire comme ça. 136 divisé par 5. Hop là, là j'ai les neurones qui sont fondus, c'est terminé. Hein, je ne peux plus. Hein. Là, je ne peux plus compter. Hein, je suis mort dans ma tête. Hein. Plus 12. Plus 100. Moins. 90, 50. Bon. Bah en vrai, là, c'est full go là. À la pod, là. Moins 20. Les congruences sont de mon côté, les amis. Hop. Et évidemment, tout va bien. C'est bon en fait là. 30. Mais bien sûr. Le tacle, mais oui, il me fait des blagues le tacle. Ça fait moins 15. Et évidemment, quel chat de qualité, c'est vraiment. Heureusement que vous avez vu parce que là, sinon on allait passer à un 4% sur 10 de tacle. Hein. C'était sûr. Et là le PAPM repassait, on connaît. Hein. On connaît les amis. Bon, il me reste 3,2. Bon, tout va bien. Hein. Je peux avoir un exo Trentini, hein, vrai, avec ça, je suis refait. C'est dur. 95 depuis. Bon, petit souci de Vita. Comment on baisse ça? On va avoir du mal à choper le perf là-dessus. Bon, on va over. Moins 20. Il faut que j'enlève 24. Allez, on va y aller à la rune d'eau. Hein. Là, on va pas pouvoir faire des miracles. C'est correct. Hein. Moins 1 de Vita, ça passe. J'ai envie, là je me sens d'aller chercher la grosse tenta. Je savais que ça allait crit, hein, c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai envie d'aller chercher la grosse tentaraise. Du coup, on va se contenter du 59 sagesse. 15, tac. On va mettre le 59 chance, hein, je voulais dire évidemment. Moins 6.
Ok, le crit qui me met ultra bien pour rester sur un multiple de 6. Alors là, c'est le crit de la soirée. Celui-là, c'est vraiment le boss. Nickel. Bon, écoutez, on part sur un 9 tenta, hein, très clairement. C'est vraiment là-dessus qu'on est. Je check dans le chat qu'ils sont pas en train de me hurler que j'ai mal compté. Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. C'est parti. Je vérifie. Let's go. Une, deux. Allez, un. Allez, deux. Allez, troisième. Je veux voir un troisième. Oui! 3%. Bon, si ça passe là-dessus, c'est pas ouf, mais c'est legit. Et non. 96 depuis. Alors, on me dit dans le chat, deux pavis, ravi, pod, reste fixe. Moi, je fais confiance à mon chat, les amis, littéralement. Donc, deux pavis. Ok, moins 12. Alors, par contre, il faut pas se tromper dans le chat, hein. Ravi. Ah bah on me dit une pavie suffit, mais c'est trop tard, hein, les amis. Il faut dire avant que je passe les runes, évidemment. Deux pavies ravis. On m'a dit pod et res fixe. Ouais. Ça me paraît bizarre. Pod, bah res fixe, c'est pas ouf. Tacle, hein, plutôt. Tacle, plus rentable, à mon avis. Hein. Voilà, j'ai le perf. J'aurais aimé que le tacle passe, mais... Mais ok. Il va falloir que ça passe. Voilà, j'en avais besoin. Donc, moins 10. On va récupérer le petit 5 ici. Qui crit. Et ça, c'est tout le temps, hein, quand tu veux baisser ton truc, ça crit. Mais c'est vraiment c'est ma vie résumée, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les planètes sont alignées pour que j'aie pas mangé, en fait, c'est tout. Ah là là. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec de l'intel là? Rat ou pas? Que pense le chat? Que pense le peuple? Rat. On me suggère painé, rainé, pas. On me dit pas, je veux plus de pas. On me dit pas, on me dit pas. Ce sera donc pas. Ouais, 15. Bon, on va dire que c'est acceptable. On enlève ça. Moins reliquat, hein, ça c'est. Bah oui. Et bien sûr. Moins 2. Ah, il y a beaucoup de choses à remonter là encore. Hein. Allez, on va mettre la passa. Elle passe, cool. Moins 7. Ok, ça c'est bien. Moins 10. 30. Et tout pile le multiple de 6, les amis. Là, ça c'est beau. Ça c'est le beau jeu. Alors, no normalement, si ma théorie est bonne, on a le 5% perf. Voilà. Je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. Ok, ça part mal. Il va falloir beaucoup de crit. Non, mais voilà, très bien. Mais voilà, très bien. 99 depuis. Bon, on a un petit souci de sagesse, hein, ce sera pas très beau. Je pense que on va pas se casser la tête. On va monter comme ça. Deux pavis. Voilà, moins 9. Et puis on va rester là-dessus, hein, tout simplement. Est-ce que je vais chercher le perf chance? Allez, quand même. Ok, moins 10, bon, ça commence bien. Hein. Et j'ai un G qui est assez fat, je me rends compte que si la passa ne fait pas trop de problème, c'est une tenta assez fatasse. Hein. 71, bah franchement, moi je colle le 4%. Bon là malheureusement on a 0, donc il me faudrait un petit succès crit sur une runini. C'est tout ce que je demande. Hein. Bah voilà, écoutez que c'est... Voilà. Comme quoi des fois, le jeu me sourit. Bon, ça passera pas à la fin, mais quand même, j'ai au moins le droit d'avoir un peu d'espoir. 12 tentas, c'est bien quand même. Hein. C'est pas si dégueulasse. Hein. Bon, vous collez combien de pourcents dans le chat là? Est-ce qu'il y en a qui collent le 4%? J'y crois, j'ai vu un j'y crois, je vais rester là-dessus. Je colle le 1%, ok. Allez, c'est parti, de toute façon, l'expectative ne nous amène pas très loin.
Bah non, mais c'est nickel, hein. Bah parfait, hein. Ouais, 2%. T'as 12 tentas sur du double puits pour du 2%. Non, mais... Bon, on a une tenta qui a de la gueule. On va avoir du mal à chercher le père Vita. On pourrait, un tryhard, mais ça serait un coup à défoncer la moitié du puits. Là, ce qui est assez ouf, c'est que, bon, ça rejoint toutes mes théories sur la moyenne de fluctuation qui est très très proche d'un GPR quand le PM est tombé. Hein. Ça c'est vraiment 100% validé par la pratique. Là, le PA tombe, j'ai un GK quasi perf. Voilà. J'ai 93 de puits. 90, c'est le plus petit multiple de 6. Donc, on va juste tenter une païnée. Qui passe, mais c'est si beau! La vie est si bien, les amis. C'est incroyable. C'est la tenta absolument parfaite. Donc là, on a moins 3. Non, mais c'est. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je fais tout. Je mets toute mon âme pour avoir des tentas énormes. Si là, c'est pas un truc de fou ce que je fais. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, regardez, divisé par 6, ça fait 15. C'est-à-dire qu'on a 15 tentas de res là-dessus, en fait. Là, si on ne termine pas avec un 6%, je sais pas ce qu'il faut, en fait. On va prendre le petit screen à mettre sur Twitter, bien évidemment. Bien sûr, ça fera de la pub. Donc, bah écoutez, on est complètement parti. Bon, il y a le 59 chance, mais c'est pour un ennemi, en fait, à la base. Je pourrais même faire un item sans chance et sans de haut, ce serait même pas inacceptable, hein, mais juste là, non. Mais donc là, on a 15. On a complètement 15. Donc, allez, ça part. Un crit. J'aurais préféré le crit après le 3%, hein, je vous avouerai. 3%. Et le crit. Ok, 3%. Bon. Bah voilà, tout ça pour ça. Non mais c'est un plaisir, j'adore. Bon, bah forcément, je suis monté sur un GPerf sans utiliser de puits. J'arrive là-dessus, je peux rien en faire, littéralement. Rien en faire. Ça n'a aucun. Ça ne m'apporte rien de. Enfin, je veux dire, si je continue le FM dessus, ça n'apporte rien qu'il soit arrivé à ce G. Et si je fais une rune trans, je me manque de respect après tout le tryhard que j'ai fait de terminer sur ça avec une rune trans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une rune trans pour le mettre en HDV, puis on va refaire une, hein, tout simplement. Ça me paraît être le meilleur call, histoire d'absorber un peu les 40 millions de runes de perte que j'ai, c'est vraiment un plaisir. Donc, je peux aller comparer les prix. Ça doit être... C'est le meilleur call, non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est feu, hein. Ça doit être tar et feu. C'est un peu Sheros, non? Rune astrale légendaire. Ouh là là! Ouh là là, ça va coûter plus cher que ce que je vais vendre l'item, ça. Ouh là là! On va aller voir HDV ressources, les amis. Ça sent le traquenard. C'est mauvais plan. Mauvais plan. Très très mauvais plan. J'annonce, hein. Légendaire. Rune astrale légendaire. 5 millions. Oh mais non, c'est pas rentable. Jamais de la vie, je fais ça. Impossible. Par contre, ce que je peux faire, c'est tas sort. Je pense que Tadossor, par contre, je suis rentable. On va pouvoir. Non, je vais faire ça. Je vais faire Tadossor. Et comme ça, on va pouvoir tester la théorie de ceux qui me disent. Elles sont maudites, les bots là. Il faut que j'en fasse des nouvelles et ça passera mieux. Il faut bien prendre des mesures radicales devant un problème radical, les amis. C'est bien celle-là. C'est bien celle-là pour les tados. Yes. Non mais c'est juste parti en fait, y a pas d'autre option. C'est obligé. Mais ça vaut rien un PO sur un G qui est même pas perf sans exo. Le PO tu le mets quand t'as un 2 ou 3% sur un très bon G. Un PO random c'est de la merde comme item. D'un point de vue opti c'est ridicule, hein, c'est vraiment de la merde. Un G near perf PO c'est à chier, hein, vraiment. Et...
C'est ça. Hein. Bah let's go, hein. Non mais c'est un plaisir, hein. Allez, on continue, hein. Bon bah je recrafte une et puis on repart, hein. C'est tout, hein. 91 de puits, c'est pas hyper propre, hein. C'est pas méga beau. On va clairement faire ça. Non mais parfait, c'est déjà mort hein, quasiment à ce stade. La rune pod, hein, très clairement. Hop. Alors j'ai plus 0,1. Oui parce que c'est 0,1 quand il y a ça en fait. Un coup j'avais mis 0,5, je me suis trompé. Hein. Ça c'est 2,6, ça c'est 2,5, donc plus 0,1. Et là, j'ai moins 0,5. Ok. Hop. Ok. On va mettre la rat. Qui passe, moins 10. On te voit pas, mon gros self-service. On voit plus les messages normalement là. Je me fais. Qu'est-ce que j'ai fait? On ne voit plus les messages trolls que je reçois. Alors. Bon. Ah, il y a beaucoup de choses à remonter quand même. C'est embêtant ça. Allez, crit. Ah. Ma technique du crit n'a pas marché. Normalement, quand tu dis crit, juste quand tu passes la rune, c'est crit. Eh, ça marche quand même, deux fois là. Hein. C'est la théorie ultime, les amis. Ça marche trop bien. Allez. Tac, tac. Moins 15. En vrai, c'est honnête là. On n'ira pas très loin, j'en ai bien peur, mais. Mais il faut pas regarder le puits qui reste quand on fait ça. Il faut juste être concentré sur le moment présent. Il faut profiter. Se dire que ça pourrait être pire. Ah! Bah oui, c'était une part retrait PA. C'était pas juste une retrait PA. Non, mais voilà, hein, après. Parce que là, moi, je me voyais déjà arriver juste sur un GPR, faire repasser le PA, ça passe, et remettre une rune trans, et aller recrafter encore des bots, vous voyez. C'est un soulagement, en fait, pour moi, ce qui se passe là, c'est tout va bien. Et bien sûr, bien. Bon. 99 de puits sur cet item tout frais, tout récemment crafté. On a les 42 sagesse. On va aller chercher le perf intel direct. Alors, voilà, hein, très bien. Donc, moins 10. On va aller. Allez, là ça va crit, je pense. Voilà, je le savais. Je suis vraiment. Et là ça va faire moins 5. Et oui, mais bien sûr, mais je sais tout. C'est comme ça, que voulez-vous? Du coup, j'ai presque envie de faire des tentats en Nirperf chance maintenant. Ouais, je vais faire ça. Je rappelle que c'est pour un ennemi feu, hein. Je vais. Le crit là il met bien. Bon, on va garder la chance pour la fin. J'ai un peu la flemme de réfléchir là. Moins 12. Le perf pour rien, mais non, mais là il y a le 347 vita. C'est chaud. C'est très chaud. Je pourrais, hein, je pourrais, mais. Soyons un petit peu raisonnables. 65. Ah, je vais aller chercher le perf champ. En vrai, si je suis à 49, peut-être, mais là, ce serait de la mauvaise foi de pas y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. 44 de puits, on a deux drabes. On fait pas grand-chose avec deux drabes. Bon, allez, on va y aller de go direct 7, hein, y a pas grand-chose à faire. Bah nickel, hein, c'est parfait, hein, j'adore. Allez, on continue. Non mais c'est. Voilà. 81 de puits. Alors, on a un petit problème de deux crits. Hein. Je pense qu'on va full crit les deux crits. Bon, c'est pas full crit, mais ça va, ça peut être pire. Petit souci de Vita. Hein.
Oh, ça pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. J'ai été con là, j'aurais pu monter à 349, à mon avis, c'était bien aussi. On est sur un littéralement plus de puits, hein, là, problème technique de puits. Avant qu'on ait un crit à la patac. Moins 11. Là, c'est terminé. Ah! Bah, bien sûr. Du coup, j'ai fait quoi là? J'avais 2. J'ai tenté. J'ai eu 0. Hein, parce que j'ai mis 5, j'ai eu moins 3, donc là, je suis à 0. Et après, j'ai eu. Là, j'ai plus 10. En vrai, je peux faire ça. Compliqué. 95 de puits. Alors, la strat, c'est ça. Ok, moins 10. Je suis hyper content que ça ait écrit. On a potentiellement une belle tenta, là, regardez. Observez un petit peu comment c'est beau. Tac, 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 tac. Allez, on monte à 348. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 61, bah c'est pas mal. Allez, 10 tenta. 10 tenta, les amis. Tout peut arriver. J'ai encore une foi absolue dans la forge magie. Aucune de mes convictions n'est ébranlée. Regardez-moi ce début, c'est si beau. 3, mais bien sûr, mais 4%, mais 4%. Eh oui! Les amis, enfin! Peut-être que tout ce que j'ai subi jusqu'à maintenant visait à m'amener à cet instant. On prend le screen quand même, hein, dans le doute. C'est Et fait étonnant, le 4e% est passé en succès neutre. Et ça, c'est assez rare. Le 4e% passe souvent en crit, et là, on a carrément un 4e% en succès neutre. Donc là, les amis, voilà. Peut-être que je méritais ça, en fait. Peut-être que c'était pour m'arriver. Parce que là, franchement, si j'ai là, si ça repasse, comment vous dire que j'aurais aucun regret sur le temps que j'ai mis là-dedans. Allez, je vais le passer comme ça. Bah, bien sûr, mais c'est normal. J'y croyais pas, je vais pas vous mentir. Allez, on continue, on adore. De toute façon, on aura 5%. Tout va bien. Tout va très bien. 97 de puits si j'avais bien une passa ici. Petit problème vitalesque. Moins 10. Bon, il faut que j'enlève 43. Ça fait... Ça peut poser problème. Je vais garder ça. Ah ouais, il y a déjà tellement de trucs sur l'item en fait. Je pense que je vais y aller comme ça du coup. Ok, j'ai le perf. J'ai le perf, les amis. On va mettre l'arracha qui passe. Alors là, j'ai plus 0,1. Et là, j'ai moins 7,5. Hop. Il faut que l'araignée ne soit pas trop problématique. Moins 20, bon, ça passe. On a une belle tenta là en perf. Enfin, franchement, je colle le perf 3% moins. Et là, j'ai moins 10. 49, voilà, j'avais un doute sur un depuis, donc on est safe. On met 8 runes et c'est très très beau là. Hein. C'est vraiment très beau. Allez, c'est parti. Non, mais voilà, hein, c'est que dire en fait? C'est nickel, hein. Et en plus, il n'y a pas le PM, hein. C'est vraiment... C'est si beau. Après, si ça passe, on a là rune trans et on a un truc qui ressemble à quelque chose, mais bon, c'est... Est-ce que ça vaut la peine de perdre une partie de sa vie et faire de la FM pour que ça se passe comme ça, quoi? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais non, mais bon, allez. On adore ça, on continue, tout va bien. 97 de puits là-dessus, c'est parti. Alors, hop. Bah ouais, c'est chaud là déjà. Ça part pas très bien.
Ok, on va aller chercher le 349. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 27. Ouais. Dix-sept depuis, c'est pas ouf, hein. Bon allez, on va tenter 3 tant qu'à faire. J'étais sûr j'allais avoir 2% et j'allais me poser la question, est-ce que je vais chercher 3 ou pas? Ah franchement, il y a moyen que j'avais un truc en rab, non? Allez, on va tenter le troisième. Ah, ça se tentait, j'ai pas de regret. Il y a le PA. Il y a le PM. Sur du 2%. En tout cas, c'est bien de voir qu'avec 17 de puits, ou bon 18 apparemment, j'ai 2%. Par contre, des fois, j'ai 12 tentages et 0%. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment nickel, hein. T'es beau, Grifox, merci. Il passe tellement de temps sur ses pâteaux, va aussi falloir compter la facture d'électricité dans les pertes. Ah! Ça me fait encore plus mal que si c'était pas passé, hein. Vraiment, hein. Je rigole 0%, là. Non, moi je suis désolé, j'accepte pas ça. C'est pas possible. Ça vaut rien, ça. Ça prend une reste distance, ça y est en crit, hein. C'est tout, j'accepte pas ça. Après tout ce que j'ai mis, c'est mort, c'est un peu d'honneur. Allez, on continue. Ça trouve un 11 depuis sur ce petit PM. Ce petit PM des femmes, hein, comme on dit chez moi. Il va nous falloir passer la ravie là parce que la vita elle est immonde. Mais forcément. Bah oui, le crit, ah bah merci, hein. Oh bah heureusement que j'ai eu un crit, j'aurais presque été triste, hein, sinon. Donc moins 50, ah bah c'est parfait, c'est nickel, hein. Ça c'est vraiment le feu, hein. Allez. Allez. Moins 9. Mais bien sûr. Et ça crit. Mais oui. 32. Mais bien sûr. Allez, 5 tentas. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais oui. Et le PM qui passe. Et la reste distance qui crit. Et même pas. Si j'ai double crit. Moi, j'y croyais. 95 depuis. Alors, je suis content de pas avoir à toucher la vita, ça c'est pas souvent, hein. Je vous cacherai pas que ça m'enlève un poids. Il me faut un crit à la patac. Voilà, c'est tout ce que je demandais, hein. Le reste, concrètement, ça va. On va tolérer 59 chances, exceptionnellement. Il me faut la rainer. J'avais un truc sympa là. C'est un nom magistral que m'a mis le jeu en pleine face. Hein. Là, il m'a dit non, non. Non, non, c'est de la merde, tu fais rien. Bon, ok. Hein. Donc, bah, on va aller chercher le petit overchance qui passe pas. J'ai 4 tentas. Bah, si j'ai 4% là-dessus, bah, c'est ok. Hein. Et le PA qui passe pas. Magnifique ça. 94 depuis. Tout est maxé en bas. C'est pas dégueu. Il va nous falloir une ravie. Ah mais non, je voulais pas voir plein de lignes rouges là. Moins 30. Tac. Bon, les rainés, hein. On est comme ça, on grid. Bah c'était pas du grid en fait, c'était censé être plus safe. Bah écoutez. Bon, je suis content d'avoir essayé, hein. Au moins j'ai pas de regret. Hein. On pourra pas me dire que j'ai pas essayé. Évidemment là ça passe. Ça c'est vraiment la base. Moins 10. Bah j'ai 14 depuis, c'est nickel. Pff. 95 depuis. C'est parti. Allez, il faut que les païnées soient pas trop embêtantes, le reste est bien. Ok, ça c'est cool. Ça c'est ce qu'on aime. Et ça passe.
53. Bon. J'aimerais gratter 1 de rab. Et bah je l'ai, hein. Là, j'avais plus 1, certainement, au moins. Donc, on a 9 tentas. C'est pas dégueu. Bon, la sagesse, c'est pas ouf, mais... la théorie raconte que ça passe mieux sur 38 sagesse, hein. Voilà! Ça, les amis, c'est ce qui s'appelle avoir 3% comme un boss. Vraiment, là, il n'y a pas d'autre mot. C'est le talent. C'est vraiment... Il m'en restait 3. J'ai dit au jeu... Eh, non, non. Coco, tu me l'as fait assez. 3%. Et tu me mets le PA, le PM en bonus. Allez, tu discutes pas. C'est parti, au boulot. Bah oui, et le PM. Bah allez, le PM. Ah, oh, j'y croyais tellement. Putain, ça faisait bien en plus pour ma séquence vidéo, là. Je suis triste. Oh, l'échec. la tristesse. Je voulais du crit, là. Bon, bah, les amis, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'était stylé. C'était stylé. Ça, c'est ce qu'on me demande tous les jours. Regardez, je vous montre. Écoutez le Grifox de YouTube. Est-ce que t'es le vrai? Non, c'est pas vrai. Tu es pas le vrai. Prouve-le. Prouve-moi que t'es le vrai. Bon, bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Du coup, je devais... Je sais pas, j'avais combien là, en fait. Ça, c'est quoi, ça? Ça, j'en sais rien. Hein. Bon, allez, on va dire j'ai 0. Hein. Donc, là, je devais avoir 0. Donc... 28. Ah, bah déjà, je mets un plus au lieu d'un moins. Et ça commence pas très bien. Hein. 28 plus 21. Ok. Plus 18. Ok. Plus 100. C'est un peu triste que ça passe pas quand même. Hein, je vais pas vous mentir. Moins 12. Ok. Il me faut un crit là-dessus. Si j'ai un crit là-dessus, on est bien. Ok, bon, ça passe. C'est déjà ça. Moins 21. Et le crit, on a 44. Enfin, ça fait 7 tentas. Hein. Ah, en plus, j'ai des messages de force d'un abonné. Regardez-moi cette gentillesse. Ah, on dirait, je crois que je suis sur ton live. Mec, continue ce que tu fais. On kiffe ton contenu, t'es vraiment super. Bon courage pour les FM. Merci. Merci, ça compense complètement ce genre de petit message, la douleur des pâteaux gastriques. C'est faux, hein. Je souffre, hein. Mais merci quand même. Donc, bah écoutez, c'est parti là-dessus. Hein. Allez, hop, tac, 3%, je call. Allez, comme tout à l'heure. Ah, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. PA, PM, mais non, mais c'est évident, mais tout le temps ça me fait ça. Pourquoi c'est pas passé avant? Bah go crit, elle a Dodi ou elle a Ready là. Non non, c'est pas normal ça, c'est pas cool. C'est pas fair play. C'est pas fair play. Non non, je la veux moi, ma reste distance, crit. Ah. Et bah ça va encore partir en une transcendance, mais bien sûr. Mais c'est tout ce qu'on aime, on va encore crafter des pâteaux. C'est tout le temps ça. Je vais blinder mon HDV de pâteau gastrique, hein. Là c'est évident. Hein. C'est compliqué. Est-ce que ce serait bien de mettre de la Dodi, ouais. La jeune ta Dodi. C'est ouais. Bah, je vais aller acheter le truc. Hein. Je vais faire ça parce que j'ai déjà une dosso en HDV en fait, donc à partir de là on s'adapte, hein. Très clairement. Hein. Non mais je vais pas me contenter d'un 2% sur un item d'appui PAPM alors qu'il y a une époque je faisais 5-3% en une soirée là-dessus et 1-4% quand j'avais un peu de chance. Non 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 non, pas de ça chez moi. Hein. C'est pas ça que je voulais faire. Bon ça passe, c'est la merveilleuse hein, il me semble. C'est complètement la merveilleuse. Je vais blinder l'HDV, hein. De toute façon, là, on est parti. Je vais en crafter 10 d'un coup. Hein. C'est qu'on gagne du temps, quoi. Hein, quelque part. Hein. C'est abusé. J'avais une tenta en plus. Ah. Ça, fallait me le dire avant, les amis. Hein.
Fallait me le dire avant. Ready. J'ai pas de Dodie là? Fuck. Je vais en acheter une. Après, on fera quoi? On fera. Est-ce que Domélé c'est intéressant? Peut-être, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Doperdi. La vidéo de compilation, mais ça va être un film, hein. Ça va être un très très long métrage, hein. Ça va être une trilogie, hein. Je préviens. Allez, ça continue. Bah écoutez, next, hein. 95 depuis. Alors, on va pouvoir sortir notre super théorie de la papode. Moins 18. Pour aller chercher, évidemment, le perf. Tac. Bon, ça crit pas, c'est du pu perdu, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Allez, j'ai envie de garder l'intel hardcore pour la fin. Donc on va passer les dos. Moins 10. Tout se joue là. Enfin, pas tout, mais. Ok, moins 15, c'est pas mal. Ouais, c'est, on tombe pile sur 60. Tout pile 10 tenta, les amis. Qui sait? Ce sont des nouvelles pateaux, c'est des troisièmes, hein. C'est littéralement les troisièmes. Allez, 1. Allez, 2, les amis. C'est peut-être pour maintenant. C'est peut-être maintenant, c'est mérité. Allez, 3, allez, peut-être un 4, hein. Peut-être une tente à 4%. Tout est possible. Les amis, j'ai juste le PA à repasser. J'ai que ça. Alors, ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Mais on a peut-être moyen de tryhard encore plus là. Alors, du coup, j'étais à 0. J'ai 4, j'ai plus 18. Là, j'avais que le PA à remettre en plus, hein. J'ai plus 90 et j'ai moins 100. Ah là, on est à 12 de puits, je vous avouerai qu'on va pas sortir un 4% sur un 12 de puits, hein. Par contre, à tous les coups, je vais sortir un G-perf et on va encore mettre une rune trans. Ça, c'est la base. Est-ce que je tente quand même 1%? Allez, 1%, go. Ah bah, en plus, j'ai compté comme un singe. Ah, ça, c'est vraiment nickel. C'est vraiment... c'est parfait. Bah écoutez, hein, je crois que... Je crois que le message est très clair. Attendez, si j'ai un crit, je peux peut-être aller chercher le perf trans. En vrai, sinon c'était perf trans, hein, ça partait direct, hein, j'annonce. Littéralement. Et je suis encore à une rune, hein, il me faudrait un crit. Ah non, j'étais à un crit et j'étais bon, et là c'est. C'est terminé. Sauf si peut-être la passa fait tomber le PA. Bon, allez, on arrête. Next. 93 depuis. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la Vita? Je vais monter ça comme ça. On pourra pas avoir le perf, donc enfin on pourrait en tryhardant, mais j'ai pas le perf sagesse, donc encore une fois quand je l'ai pas, je force pas. Moins 9, on a peut-être une belle tenta là. Moins 25, bon, ça passe en succès neutre, hein, ça me va, c'est ok. Moins 8. Legit, hein. 38, j'ai deux restants. Enfin, ouais, j'ai deux en rab. Ouais, je peux tenter deux runcha. Voilà, pas de regret. Et 6. Un pour cent, ça passe pas. 80 de puits. Allez, on va aller chercher la païnée. Moins 9. On va mettre la ravie. Moins 10. Je peux aller chercher le perf à la pod.
Ok, donc là j'ai plus 0,2. On va aller chercher le perf chance. Là j'ai moins 0,5. Aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, moins 36, bah super. C'est génial. Moins 17. Moins 5. Bah, j'ai même pas de quoi aller chercher le perf. Ah bah ça crit, si j'ai le PM, ça part encore en rune trance. Bah forcément. Non mais... Je vais remplir mon HDV de G2G, presque perf, plus rune trance. C'est vraiment... Ah, le tacle, ok, pardon. Petit crit. Ah. Ok, my bad, j'ai rien dit. 97 de puits. Bon, on n'a pas le perf sagesse, malheureusement. On a le perf vita, sans trop de soucis. Tac. 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 C'est pas mal là. Oh, j'ai failli en mettre une de plus. 54 les amis. Allez, on tolère la chance pas ouf. Parce que là, à ce stade, hein, je crois qu'on pourra pas me dire que j'ai pas mis de bonne volonté, très clairement. 9 tentas. Pas de PA. 96 de puits, bon peut-être un chouïa de plus avec les décimales de Vita, mais bon on va pas chipoter. Vita pas ouf hein. Il va falloir passer la ravie. Ok ça passe. Moins 10. J'ai 39 à enlever. Je peux y aller triple papode. Enfin triple pod. J'ai plus 0,3. On va avoir le perf en stat. J'ai moins 0,5. Moins 21. Moins 7. Moins 16. Moins 15, ok, bon. J'avais peur que ça me coûte trop à la fin, mais c'est correct. 26 de puits, bon, j'ai 4 tentas. Pas grand-chose à faire de plus, hein. 2%. Pas de PA. Si j'ai full crit, je peux avoir un truc marrant. On va y aller. J'ai un peu la flemme de compter, je veux juste espérer que je vais voir un gros jet sortir. On va, on en est à ce stade, hein, littéralement là, c'est très compliqué. Ouais, bah ça se tentait, hein. Forcément, hein, non mais c'est bien sûr. Bon les amis, je crois que il va falloir prendre une solution radicale. Alors attendez, hop. Bon là j'ai ça. C'est pas ouf. On a vu des meilleures choses défiler, hein, littéralement. Pourquoi je peux pas link? C'est pas ce que je veux faire. C'est. Ok, décidément. Donc, on a ça. C'est pas méga bien, hein. Mais j'ai quelqu'un, en fait, forcément, comme ça fait une semaine que je suis sur des pathos gastriques, il y a tout le serveur qui s'est mis à FN des pathos gastriques. Du coup, nécessairement, bah, je suis le seul couillon du serveur à ne pas avoir des pathos gastriques Exorez, en fait.
Et bah, tous mes abonnés m'ont passé des DG nickel, mais moi j'ai pas le droit en fait. Moi c'est je perds 50 millions sur l'item et tout le monde se fait du bénéf. Donc j'ai un abonné qui va m'en vendre, donc en fait ça c'est juste assez propre pour aller en HDV, même si c'est de la merde hein, très clairement. Et voilà, forcément ça c'est ce que quelqu'un m'a passé en quelques tentas, moins un Vita, 3% feu. Non mais c'est normal, hein, c'est la vie marche comme ça. Donc on pourra pas me dire que j'ai pas mis de la bonne volonté pour les avoir, mais il faut pas non plus être obstiné et débile. Et bah très clairement, si j'ai passé autant d'heures sur mon FM, c'est juste parce qu'il n'y en avait pas en HDV en fait. Donc bah, littéralement, on va les acheter. Voilà, on va pas se casser la tête. C'est vraiment tout ça pour ça, la vie est magnifique, hein, y a rien à redire. Et on va pouvoir passer à un autre item parce que voilà, c'est juste. Là j'ai un jet qui est jouable en fait. Bon, c'est pas ouf, hein, mais. Normalement sur Pathogastrix c'est censé être plus simple que ça, donc bah écoutez on va finir comme ça. C'est vraiment triste d'avoir galéré autant pour terminer là-dessus. Mais il y a juste zéro intérêt à s'obstiner, ce serait juste débile, et ce serait perdre une capacité de discernement pour de la merde en fait. Donc je vais aller les mettre en HDV, je sais pas combien, puis bah du coup c'est terminé comme ça. C'est vraiment voilà, quand je disais que j'étais prêt à m'investir énormément, bah là je crois que vous avez l'illustration en fait, hein, littéralement. Et bah moi ce qui compte le plus pour moi actuellement c'est de pouvoir faire du PVP assez vite, du Colisée assez vite. Donc on va dire en temps normal, si j'étais sur tous les autres aspects du jeu stabilisé et que j'étais juste sur les FM, j'aurais vraiment travaillé les 4%, là, je rigole pas. Mais là comme je suis vraiment dans l'attente d'avoir des stuffs pour pouvoir vous faire du Colisée, bah voilà, je choisis de les prendre comme ça. Je vous avouerai que je suis un peu triste que ça se termine comme ça après tant de persévérance, mais voilà, c'est. Qu'est-ce que j'y peux? Enfin, je crois qu'on peut pas me reprocher de pas avoir essayé. Là, pour le coup, hein. Donc, bah, on va enchaîner sur un autre item. Et puis, c'est donc la fin de cette vidéo. Donc, ça va faire une vidéo compilation FM interminable pour qu'il se passe rien dedans, au final. Hein. On a vu quoi? On a vu des belles tentes à 3% perf et on a vu une tente à 4%. Franchement, la 4%, je l'aurais mérité, hein, très sincèrement. Mais le mérite est une notion inexistante en FM. Hein. Vous pouvez tryhard pendant des heures et des heures et des heures, vous avez rien. Et il peut y avoir un random qui, du premier coup, chope un truc de fou. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc, bah, voilà, il faut juste l'accepter. Et puis rester motivé, garder le moral solide. Là-dessus, j'ai pas de soucis. Moi, je pense que là, plus personne ne pourra le contester. Si malgré tout la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.